like a bird in a storm, all alone, and the rain pours down. Black as the night, nothing's right, and it's far from brown. Thunder and ice, looking for light, pushing through the clouds. Keep up the fight, climbing new heights, never looking down. Rise up, like I'm marching through the fire. Rise up, as the flames getting higher. Peak of the mountain top. Had a dream, I was pulled by the stars and I couldn't stop. Thunder and ice, looking for light, pushing through the clouds. Keep up the fight, climbing new heights, never looking down. Rise up, like I'm marching through the fire. Rise up, as the flames getting higher. Rise up.
it's making me blush. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heart. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en voie le beat. On fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, on sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide. Des moments forts avec mon crew qui fait entre nous. Et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe baroude, ou qui restent postéchés au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon blaze gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. J'suis toujours le même enfoiré, je tourne pas ma TV. Non, j'garde mes principes et mes points d'attache. J'kiffe pas la célébrité, j'ramasse juste mon cash. Pour mes points de repère, sinon j'suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est pépère. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. J'profite de la chance que j'ai, j'suis pas qu'un riche, j'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches, j'me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-0, 1-2000, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Hey. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Hey. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant reste les mêmes, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. J'ai presque arrêté le chambre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final. T'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale. Chacal à l'arrache. Du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes au silex. Riche pas encore. Toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable. Qui soigne par pack de 12. Hey. Ma belle, y'a pire. Bâche-tu à la tâche. Respire. La vie est belle. Ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud. Dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau. Alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos. Comme mes premières tunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zerasum Roti, Uzokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche. Rapport.
Soit, oh là là, bonsoir Dame Girmis, comment ça va? Comment ça va à la pêche, j'espère. Non, j'espère que tout va bien, j'espère que tu as passé. Comment était ta journée? J'espère qu'elle a été bonne en tout cas. Moi j'avoue que je commence à être au bout de ma vie alors qu'il me reste encore 2 jours de taf. J'ai presque failli ne pas faire de stream ce soir et je me suis rendu compte que j'avais blindé toutes mes journées jusqu'à jeudi prochain et que j'avais une semaine de retard sur l'envoi. Je suis triste, plus axé... Ah bon ? Plus axé aux émotes de Twitch ? Est-ce que... Bon, et bonsoir Zikiel, comment ça va ? Oula, putain, d'un seul coup, on a 6 personnes. Comment ça va ? J'espère en tout cas que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Attendez, je vais peut-être réorienter le micro parce que... Je vais juste le mettre là, pour qu'il capte normalement un peu mieux. Je n'y ai pas accès non plus. Alors après, peut-être... Ah oui, peut-être que Twitch déconne. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé il y a 20 minutes. Je regarde l'heure, mais il y a 20 minutes chez moi. Et comment était d'ailleurs ta journée, Zikiel ? Voilà, comment était votre journée, de manière générale ? À part cette tristesse-là, j'espère que je vais vous amener de la joie ce soir. Voilà, restez au moins 2 heures, par contre, mais... Non, parce que ouais, quand je suis arrivé, je suis juste arrivé, j'ai eu le temps de passer aux toilettes, car je suis un homme et je fais pipi des fois. Et en allant sur mon dashboard, donc c'est le truc quand tu streams en fait, quand t'as un compte Twitch et que tu veux streamer, sur ton dashboard, c'est là où tu modifies les infos de ton stream, entre autres, et ça ne voulait pas les changer. Et du coup, j'ai dû passer par mon portable qui est là, enfin que vous voyez pas, mais qui est à côté, pour du coup modifier les infos, et c'est passé, normalement vous avez bien l'info, c'est bien un talk show, machin, enfin voilà. C'est un bug de Twitch, d'accord. J'espère que Twitch ne va pas bugger au point de couper le stream, parce que j'ai des trucs cool, enfin c'était cool la semaine dernière, mais j'ai des trucs super cool à montrer. Ce soir, voilà. Ah, c'est dommage, parce qu'en plus j'avais demandé, Twitch m'a dit que j'avais débloqué les emotes de follow, je crois que j'en ai parlé lundi, et donc apparemment si vous suivez la chaîne, vous avez droit à des emotes. Donc il y a une grosse partie, je vous avoue, c'est des emotes par défaut de Twitch qui m'a filé parce que j'avais pas prévu le coup. Il y a genre 4 ou 5 emplacements. Mais voilà, ma journée a pas été très cool. Ok, et eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir se changer les idées. Je pense. En tout cas, il y a beaucoup de contenu que je vais envoyer ce soir qui, j'espère, va vous plaire. D'ailleurs, je suis très content parce que maintenant, j'ai une amie qui, des fois, m'envoie des trucs qui, moi, m'intéressent et qui me dit « Mais peut-être que pour ton stream, ce serait bien. » Et moi, à chaque fois, je suis agent. Oui, en fait, c'est parfait. Je n'ai plus besoin de travailler. Non, j'espère que ça va. Moi, je vous avoue, la journée était en dents de scie, c'est-à-dire que je suis à la fois content parce que j'ai des projets qui avancent dans du pro, machin et tout. Je commence à rechercher au boulot pour pouvoir me syndiquer, j'ai une collègue qui est partante et tout, donc on est un peu dans le projet, et je vous avoue que ça fait très plaisir d'avoir des gens au travail qui veulent ça. Non pas qu'on ait des soucis hein, au travail, juste c'est important je trouve de pouvoir se syndiquer. On a réussi à se coordonner pour la grève de la semaine prochaine, de manière à pas trop perdre d'argent et en même temps à bien avoir un impact sur le boulot. Mais malheureusement j'ai appris que pas mal de collègues partaient. Et donc là, je vous avoue que ça a foutu un petit coup au moral quand même de se dire, bon, t'es content pour les gens, mais pas ouf. Mais je suis là pour vous amener de la joie. Et j'ai eu un peu de retard, j'en suis désolé. La raison est très simple. Je vais vous donner la raison du retard. Parce qu'en vrai, elle est con. C'est que, vous le savez, vous le savez peut-être, si vous avez déjà vu mes lives cuisine. Salut Coyote, comment tu vas ? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment c'était ta journée ? Ouais, le retard du live, c'est vraiment une excuse de bobo à la con, c'est-à-dire que, comme je disais, vous le savez peut-être, moi j'achète, je suis une épave, tout le monde est en forme ce soir, super. Moi du coup je viens de donner l'info, c'était en dents de scie, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien cette journée, mais assez en forme en tout cas pour lancer un stream. Et j'espère qu'il y aura des trucs cool donc, que je vais partager pour vous. Mais du coup, ouais, en fait, truc vraiment con, donc j'achète la plupart de ma bouffe, de tous mes produits secs, donc produits ménagers et du coup le riz, les pâtes, enfin voilà, j'achète tout ça en vrac. Et j'achète notamment mon café en vrac. Voilà, donc des grains, hein, vous avez déjà vu ça sûrement, c'est des grains de café
En fait, le magasin où je l'achète, ils ont un gros grinder, donc tu peux aller au grinder une fois que t'as payé pour transformer tes grains en poudre. Ce que j'ai oublié de faire, du coup, mardi, quand je suis allé acheter mes grains. Du coup, j'ai un stock de grains de café. Chez moi, j'ai pas de grinder. Il faudrait que j'en achète un. C'est une autre question, je l'achèterai un jour où je serai riche. Non, après, c'est pas cher, mais voilà. Et donc, en fait, du coup, bah, j'ai une amie qui est à côté de mon travail qui a un grinder. Et que du coup, bah, en fait, je suis allé voir ce soir, sauf qu'évidemment, je vais pas juste me pointer, grinder mon café, voilà. Donc, je suis allé, on a pris un petit apéro avant que je parte pour faire le stream. Donc, le retard est dû tout simplement à Gecko qui oublie de moudre son café au magasin comme un connard de bobo. Fibro et mal dodo. Ouais, bah oui, effectivement, je vais pas trop me plaindre de ma journée. Bon. À part ça, j'espère que ça va. Attendez, j'ai baissé la musique, j'ai l'impression qu'elle est un peu forte. J'espère que ça va. En tout cas, ce soir, on a des sujets, je pense, cool, qui sont intéressants. Enfin, des sujets, en tout cas, des infos à partager, plutôt, qui sont intéressants. Parce qu'il y a un truc, on va clairement pas le lire, parce que c'est très très long, mais c'est intéressant à partager. Et un autre, c'est un article, pareil, qui est juste assez long pour être lu. Voilà. En gros, ce soir, on va parler un petit peu de d'appropriation culturelle, et aussi d'un papier qui est sorti. Alors en vrai, c'est sorti il y a pas mal de temps et on me l'a rappelé il y a pas longtemps dans une conve. C'est des potes qui me l'ont rappelé. Qui parle du coup de l'identité en gros queer, enfin même LGBTQIA, même pour être plus clair. LGBTQIA+, et de la surdité. Comment les personnes LGBTQIA sont représentées dans la communauté sourde. Parce qu'on a du coup une intersectionnalité au niveau de ces deux communautés. C'est un papier qui est intéressant, que j'ai feuilleté, je vous avoue, parce qu'il est un peu long, mais qu'il y a des trucs intéressants dedans. Voilà. Et l'autre, du coup, c'est sur la langue des signes et l'appropriation culturelle. Ceci étant, j'aimerais rebondir sur un truc. Alors, je vais pas en parler vraiment officiellement dans la newsletter, mais j'aimerais rebondir sur un truc avant, que vous avez peut-être vu passer aujourd'hui, ou pas, mais que vous avez peut-être vu passer. Il y a un tweet, je vais pas le montrer à l'écran, parce que j'ai pas envie de faire plus de pub que ça à ce tweet, mais il y a un tweet de France Inter qui a circulé. Donc il me semble que le tweet date d'aujourd'hui, hein, ou d'hier, peut-être d'hier. En tout cas, il y a un tweet de France Inter où Marine Le Pen est invitée. Alors je sais plus qui l'a invitée, mais voilà. Et Marine Le Pen parle de la panthéonisation des gens. Vous savez, des fois il y a des débats sur qui doit rentrer au Panthéon, qui peut rentrer au Panthéon. Bon, c'est du symbolique, mais voilà. Et elle mentionne, je vais quand même vous lire le tweet, pour avoir vraiment le truc stricto sensu. Et vraiment, je dis Marine Le Pen, c'est pas pour faire des vues, hein, c'est le cas, en fait. Voilà. Marine Le Pen qui dit, donc quand on lui dit qui feriez-vous entrer au Panthéon, elle répond, peut-être l'abbé de l'épée, qui a inventé la langue des signes, ça a été un apport considérable pour ceux qui ont été mis à l'écart de ce qui fait la nature humaine, la conversation. Alors moi, ça m'emmerde cordialement. Enfin, je pense que ça n'a pas emmerdé que moi, je vous rassure, je suis pas seul là-dessus, ça a emmerdé énormément de sourds, d'historiens et d'historiennes aussi. Alors, si j'ai pas forcément une idée vraiment très précise de ce que peut impliquer une panthéonisation, il y a par contre des idées, c'est pas des idées en fait, c'est des faits. La première chose, c'est qu'on parle de l'abbé de l'épée qui a inventé la langue des signes. On va remettre les choses dans leur contexte. Si effectivement la langue des signes vient de France, et que l'abbé de l'épée, c'est une des figures emblématiques de la langue des signes, qui a, avec d'autres personnes, permis entre autres une structuration en fait de la langue des signes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont dit, attendez, les sourds-muets, comme on les appelait à l'époque, c'est ce qu'on disait à l'époque, les personnes en tout cas sourdes, semblent communiquer du coup via des gestes, mais il n'y a pas quelque chose de très construit, c'est-à-dire que dès que tu sors du village, dès que tu sors de la ville ou quoi, c'est compliqué de communiquer quand même. Il y a des possibilités de communication, mais elles sont limitées. Il y a plus de limitations qu'avec la langue orale. Donc le mec s'est dit, salut de Schnorr, comment ça va? Comment tu vas? Comment va ton parquet? Comment était ta journée aussi? Oui, je lis un truc que je ne mets pas à l'écran, parce que c'est un tweet où il y a Marine Le Pen dedans. Voilà.
Mais en gros, donc oui, la baie de l'épée. Attendez, je vais couper la musique aussi, qu'on n'ait pas trop la déconcentration là. L'abbé de l'épée, en fait, a fait partie des personnes qui a aidé à structurer la langue des signes, à donner une grammaire, à donner une syntaxe, à donner un alphabet, qui ont évolué avec le temps et qui sont devenus ce qu'on a aujourd'hui, et ça évoluera encore. Donc déjà, l'abbé de l'épée n'a pas inventé la langue des signes, d'accord ? Voilà, les sourds communiquent depuis la nuit des temps. On a des traces de communication depuis l'Antiquité, enfin, c'est même plus un secret. Vous allez sur la page Wikipédia, globalement, de la langue des signes, vous commencez à trouver des infos sur le fait que, voilà. J'ai un Mutu qui est RT du Le Pen, j'hésite à unfollow. Moi, sorti, moi sans contexte, je dis vas-y unfollow. Après, j'ai conscience qu'il y a des normes sociales qui sont ce qu'elles sont. Voilà. Et on vient de m'envoyer un mail pour me dire voulez-vous adhérer à notre syndicat ? Je veux d'abord des infos avant d'être syndicaliste. Mutu, ça veut dire quoi ? Mutu, c'est l'abréviation du mot mutual, mutuel, on va dire entre guillemets. En fait, c'est sur Twitter, c'est les personnes que tu suis et qui te suivent. Voilà, c'est un mutu. Voilà. Donc je dis go pour Coyote, mais les normes sociales font que, et je sais pas quelles sont les relations que tu entretiens avec cette personne, donc, et avec les personnes qui gravitent autour de cette personne et toi, donc je peux entendre que des fois, c'est compliqué d'abandonner hein, certains trucs. Attendez. C'est juste mon potos qui avait une petite goutte d'eau, là. Voilà. J'aurais appris, bah, pas de soucis, mais j'espère que tu apprends d'autres trucs, notamment, donc, comme je disais, que l'abbé de l'épée n'a pas inventé... mon parquet est en carrelage. Bon, tant mieux. Mais mon parquet n'a pas de joint. Le carrelage était posé sans les joints. Non, voilà, je reviens là-dessus. Enfin, c'est ça. Et comme on dit, l'abbé de l'épée, donc, qui aurait inventé, donc qui n'a pas inventé la langue des signes, Marine Le Pen qui dit, ça a été un apport considérable pour ceux qui ont été mis à l'écart de ce qui fait la nature humaine, la conversation. On va le rappeler, hein, et alors vous allez peut-être être tous et toutes très choqués, et j'en suis désolé, mais la communication ne se fait pas qu'à l'oral. Incroyable. Quoi ? Gecko, qu'as-tu dit ? Non, ça ne se fait pas qu'à l'oral. Ouh, il dit que ça se fait pas qu'à l'oral. Non, enfin non, la communication se fait pas qu'à l'oral. Alors je suis pas en train de vous dire, de vous faire le coach neuroatypique psychoatypique. Ah, c'est un mutu, mais je crois qu'on est mutu car les deux. Ah d'accord, neuroatypique psychoatypique. Ok, les deux n'a pas, mais on se parle pas, on n'interagit pas. D'accord. J'apprends un truc incroyable. Ouah. Non, mais c'est vrai. Alors effectivement, il y a des trucs. Si on vous parle de communication, vous allez me dire bon bah il y a la communication écrite. Oui, la langue écrite d'ailleurs. Possède quelques différences avec la langue orale. Vous avez les moyens de communication paraverbaux. Ça, c'est vraiment juste pour faire un peu le mec qui connaît des trucs. Globalement, les moyens de communication paraverbaux, c'est ceux qu'on utilise éventuellement en parallèle d'une verbalisation, qui ne sont pas la vocalisation. Globalement, la vocalisation, je vais faire A, E, A, je vais faire des sons qui ne font pas de sens dans la langue de mon interlocuteur. Et même dans une langue en général, on va dire, mais voilà. La verbalisation, je suis capable de donner de faire des sons qui font sens, donc de créer des mots. Pas forcément des phrases, mais si par exemple, je sais pas, je pointe une personne et que je dis aide, bah, peut-être que j'ai envie que cette personne m'aide. Voilà, il y a des éléments de contexte verbaux. Et les moyens de communication paraverbaux peuvent être aussi utilisés sans aide verbale. Voilà, donc c'est du pointage, donc on a un doigt qui pointe, voilà, c'est très simple. On a du mime, et puis après des moyens de communication gestuelle, on a des expressions, voilà. Ça fait partie des moyens de communication paraverbaux. C'est tout ce qui est en parallèle de la verbalisation, globalement. Donc bref, Marine Le Pen qui sort une énormité, France Inter qui partage ça. Moi, ça me fait un peu chier, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'on est aussi en période d'élection. C'est que les gens sont prêts à tout pour balancer à peu près toutes les merdes qu'ils peuvent. Je pense qu'il y en a un paquet, évidemment, moi je vois un peu plus passer les trucs sur la surdité, parce que ça m'a beaucoup fait penser à, il me semble que c'est hier que j'ai vu l'info passer, et j'ai même reçu la notif sur mon portable dans les news, de Hidalgo. Alors, je déteste pas Hidalgo, juste, je pense pas que c'est une personne très intéressante, mais voilà. Mais de Hidalgo qui va à l'école de Turenne. Donc à Turenne, il faut savoir qu'il y a des élèves sourds et des élèves entendants, et il y a des cours de langue des signes,
Pour les élèves entendants, c'est quelques séances dans l'année. Pour les élèves sourds, du coup, c'est les cours sont donnés en langue des signes. Mais en gros, une fois que les enfants ont atteint le CM2 de mémoire, ils ont difficilement des suivis en langue des signes. Alors, il y a l'INJS qui peut exister, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles dans Paris par rapport à la quantité d'élèves sourds qui proposent des cours en langue des signes. Un petit passage pour vous faire un coucou. Ben, en tout cas, ça fait très plaisir de te revoir, Digitaline. J'espère que tout va très bien chez toi. France Inter a seulement relayé sans ajouter des infos pour la remettre en place. Non, alors après, France Inter le fait pas super souvent. Et là, en plus, on est sur un sujet bah, qui est pas super... Enfin, mine de rien, qui est pas super connu. C'est con, hein, mais c'est pas si connu que ça. J'essaie de sortir un peu du truc où j'ai l'impression que tout le monde en parle et tout. Non, tout le monde en parle parce que moi, je suis dans cette communauté-là et je connais des gens dans cette communauté-là, mais non, il n'y a rien. Voilà. Donc les sources sont vénères, il y a plein de réponses énervées et tout. Comme j'ai dit, je ne vais pas repartager le tweet, je ne vais pas le montrer parce que c'est déjà largement assez de pub comme ça. Il n'y a pas besoin que Marine Le Pen ait un peu plus de pub là-dessus. Elle a dit de la merde, comme beaucoup d'autres, hein, par contre. Voilà. C'est pas parce que c'est une personne exécrable qu'il faut oublier qu'il y a d'autres personnes exécrables aussi. Mais voilà. Je voulais commencer un petit peu là-dessus. Pas forcément des notes très heureuses, hein, ce qu'on va voir ce soir, mais c'est des trucs importants. C'est là que je me dis, j'espère en tout cas que ce que je fais, déjà, n'est pas de l'appropriation culturelle, je l'espère très très fort. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais tout le monde ne me connaît pas. Mais voilà, j'espère que l'initiative que j'ai, couplée avec un milliard d'autres trucs, parce que j'ai pas non plus un impact de fou, mais cette initiative-là, permet du coup à des gens d'en savoir un peu plus et d'éviter ce genre de raccourci un peu bête. Voilà. Et un peu blessant même des fois. Parce qu'on est en train de te dire en gros l'essence de la nature humaine c'est la conversation. Alors on sait pas parce qu'on est des animaux sociaux que la conversation c'est l'essence de la nature humaine. Une interaction sociale ne prend pas forcément place parce qu'il y a une conversation. Et encore, quand on parle de conversation, faut voir ce qu'elle entend la zoulette. Hein. Voilà. Pourquoi je mets mon casque? J'en sais foutre en rien, parce que j'en ai pas besoin, on va pas entendre de musique. Donc voilà un petit peu pour ça. Ceci étant, on va passer au premier article. Alors attendez, je vais... Juste fermer 2-3 trucs, agrandir un peu la fenêtre. Bon, normalement, ce sera assez grand, hein. Sauf si vous êtes sur mobile, mais... Là, je sais que c'est du soutien plus qu'autre chose, parce que sur mobile, Twitch, voilà. Je doute que ce soit de l'appropriation. Oula, alors des gens me sont déjà tombés dessus, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, Mel, non. Mélanie, non. Des gens me sont déjà tombés dessus, tant en public qu'en privé, ils sont déjà tombés sur mes potes. Hein, donc. Mais c'est des trucs, je reste tranquille en public là-dessus. Je tacle un peu, gentiment, sans citer de nom. Parce que ça me fait plaisir, mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'aller jusque-là. Mais j'ai déjà eu quelques échauffourées avec des gens là-dessus. C'est pour ça que des fois, je fais gaffe. Merci beaucoup pour le host de Schnorr. Elle est dégueulasse, par contre, cette alerte. Faut que je la refasse. Hein. Vous en pensez quoi, des alertes comme ça, là? Vous trouvez ça bien? Moi, je trouve ça un peu moche. Je les ai faites parce que j'avais pas trop d'idées. Ceci étant, attends, je vérifie que je peux agrandir un tout petit peu. Moi, je veux plus d'alertes comme celle du follow. Ah, c'est le son peut-être qui te plaît pour celle du follow. Parce que globalement, elles ont toutes la même esthétique. Le son, c'est le seul truc que j'ai gardé. Fun fact, avant vraiment de lire l'article ensemble. Faut savoir qu'à une époque, comme en fait, les gens qui sont arrivés peut-être en retard ne le savent pas. Voilà, tout l'overlay que vous voyez, le chat, le machin et tout, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ça à la main sous After Effects. Voilà. La transition, non. La transition, j'avoue, je l'ai téléchargée, elle me plaisait. Flemme d'en proposer une autre. Voilà. Mais globalement, tout est fait voilà, à la main sous After Effects et ensuite transformé en image ou en vidéo. Les écrans de pause et tout, c'est tout moi qui ai fait à la main. Je l'avais fait en stream d'ailleurs il y a longtemps. Il y a. Je dirais 6 ou 7 mois. Et à l'époque, je n'avais pas fait d'alerte. Du coup, j'avais des gifs un peu rigolos de Mélenchon. Bon, j'ai arrêté.
Philippe Poutou, Steven Universe, etc. Avec des sons rigolos. Par exemple, le Raid, je crois que c'est une chanson, la chanson qu'avait fait Usul et Dorian, quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Quand on follow, du coup, c'est Castaner qui, citant Gaspard Glanz, il me semble, dit « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner ». Et je crois qu'il y en a, c'est juste des sons, ça fait genre « Alright ». Je sais pas trop ce que j'ai, d'ailleurs. Pour le host, j'ai aucune idée de ce que j'ai complètement oublié. Et en fait, du coup, j'ai refait mes alertes, histoire qu'elles soient un peu plus dans la charte graphique de la chaîne. Mais du coup, je n'ai pas changé les sons, et c'est le seul truc que j'ai gardé, c'est que je tiens à garder mes sons, qui n'ont pas trop de sens, au final, mais qui sont quand même rigolos. Et j'avoue que le son du follow, à la fois je suis content que ma mère m'ait pas follow en stream, et que des fois elle aille juste sur mes streams, mais à la fois ce serait très marrant si ma mère allait sur mon stream et entendait ça, et je pense que je recevrais un texto juste après, oh quand même fiston, voilà. Voilà, voilà, bon, on va lire un article. Alors c'est un article qui fait référence à des trucs qui datent un tout petit peu, c'est publié le 17 janvier 2022, c'est un article sur le site Beaview, ou Beaview, je sais pas trop comment le prononcer. Je vais vous mettre le lien. Qui s'appelle Langue des signes, appropriation culturelle lors d'événements nationaux. Alors si je vous dis si je vous dis ça comme ça, paf, je vous masque. Donc si on a ce titre là, appropriation culturelle lors d'événements nationaux, allez-y, cliquez pas sur le lien, trichez pas. À quel moment vous pensez que la France a fait des appropriations culturelles de la langue des signes française? C'est des événements récents. Hein. Ça date de, au plus loin, septembre à peu près. Au plus proche, c'était décembre, novembre-décembre. À quel événement ça peut vous faire penser? Il y en a un qui est super connu, qui est passé à la télé dans tous les sens et tout. L'autre qui était connu mais un peu plus discret. Mais à quel événement vous pouvez penser où on aurait fait de l'appropriation culturelle de la langue des signes? Est-ce que vous avez une idée? Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez mettre non dans le chat. Ça me fait quand même de l'interaction et ça me permet à Twitch de dire que je suis quelqu'un d'apprécié. Non pour De Schnorr. C'est pas, franchement, s'il y a un nom, c'est pas grave non plus. Hein. Moi, j'ai l'info à nouveau. Je ne regarde pas la télé, j'ai juste l'info. Parce que je suis un peu dedans, donc forcément, c'est plus facile d'accéder à cette info-là. Dame Garmis, pas d'idée, et oui, on t'apprécie. Bon, tant mieux, alors. J'ai failli faire la blague, c'est pas drôle. Bah, tant mieux, parce que moi, je vous aime pas, mais pas du tout, en plus. C'est faux, je vous aime bien, en plus. Je vis dans une grotte, donc à part les blabla Castex, très bien. Je ne vois pas de LD. Je pense que peut-être pas du tout. Ok, c'est pas grave. Il y a même sûrement des événements que j'oublie. Alors, on peut penser à l'inhumation de... Enfin, là... de Joséphine Baker, enfin la panthéonisation d'ailleurs de Joséphine Baker, et aussi à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Je remettrai après, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est. Voilà. Mais là, on va lire l'article. Il est tout en français, c'est facile et tout. Le prochain truc que je vous montre, je vais pas vous le lire, il fait 60 pages, hein, donc je vous l'enverrai. Alors, dernièrement, trois événements nationaux ont proposé une prestation en chansigne. Est-ce que vous avez besoin que j'explique ce qu'est le chansigne? Ou pas. Si vous hésitez, n'hésitez pas à dire je veux bien, on sait jamais, voilà. Oui. Si Coyette a dit oui, tout le monde a... Voilà, c'est pour tout le monde. S'il te plaît. Le chansigne, bon, globalement, je connais déjà, tant mieux. S'il te plaît, frère. Je sais ce que c'est parce que tu en as déjà parlé. Et c'est là qu'on voit que je suis un très bon professeur. N'hésitez pas à m'envoyer de l'argent sur YouTube. Pour me remercier de mes cours gratuits. Non, c'est faux. Faites ça si vous avez de l'argent. Le chansigne, tout simplement, c'est la contre... Enfin, tout simplement, oui et non. C'est la contraction de chanson et signe. Ah, quelqu'un qui me dit, bah, je viens pas sur ton live, j'en sais un live de jeux vidéo. Bah super, non, c'est trop bête. Pardon, je taquine parce qu'en vrai, c'est une personne que j'aime bien. Non, en vrai, donc chanson et... Enfin, chant et signe, chanson et signe. L'idée, c'est pas simplement d'interpréter une chanson en langue des signes, ça se fait, c'est-à-dire qu'on prend les paroles, on interprète et on traduit ça en langue des signes. Ça se fait pour certains concerts, hein, pour des trucs accessibles et tout, c'est un métier d'interpréter, voilà. C'est des conditions particulières d'interprétation. Le chansigne, alors,
n'y a pas de diplôme de chansigneur ou quoi. En général, moi en tout cas, je fais partie de cette team-là. Les chansigneurs, pour moi déjà, c'est des gens souvent sourds. Ou alors en tout cas, c'est des gens sourds qui l'ont créé. Et les chansignes, en tant qu'œuvre culturelle et artistique, peuvent être rachetées, repris par des personnes entendantes. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des chansignes, de les réviser chez moi, de les faire pour moi ou pour 2-3 potes à qui je voulais partager le truc, mais c'est entre nous, voilà. On ne parle pas d'un truc public, je vous ferai jamais ça sur Twitch. Et en gros, le chansigne, c'est non seulement il y a effectivement une interprétation de la chanson, une traduction de la chanson, mais il y a aussi une idée de mouvement qui peut se rajouter en plus de que veulent dire les métaphores qui sont... C'est très proche de l'interprétation, mine de rien, mais que veulent dire les métaphores qui sont indiquées dans la chanson, comment on peut les traduire comme ça, et donc une vraie conversation avec le ou la compositeur. Une lecture des paroles, enfin, c'est un vrai travail en fait artistique de création en gros de chansons en langue des signes, globalement. Voilà. On a un art qui est assez proche de ça d'ailleurs, qui est le VV pour vernaculaire visuel, mais le VV c'est autre chose et ça n'utilise pas la langue des signes. Voilà. Plus qu'une traduction, c'est une adaptation. Bah, en fait, c'est un peu. Enfin, en fait, c'est des mots qui sont assez proches, traduire, adapter, interpréter. Bah, VO vers VF, c'est une interprétation, c'est une traduction. On interprète d'une langue à une autre. On parle d'interprétation langagière, quoi, voilà. Donc on passe d'une langue à une autre. Il n'y a pas les autres sens de l'interprétation. Si tu veux, Coyote, je montrerai après des chansignes, pour que tu aies une idée de ce que ça peut être. Voilà. Globalement, l'interprétation et le chansigne ont quand même des similarités, mais les deux sont différents. Généralement, ça semble plus tendre vers... Les interprètes peuvent interpréter les chansons, les chansigneurs en général... De manière générale, sont quand même des personnes sourdes. Et oui, les sourds peuvent interpréter, faire chansigner de la musique. On rappelle, être sourd, ça ne veut pas dire qu'on n'entend forcément rien. Donc voilà. Bonne nouvelle pour la culture sourde, donc, dit-elle. Pas vraiment. Sur le devant de la scène, des personnes valides. Bah, c'est ce que je disais à l'instant, d'ailleurs, voilà, un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les entendants de tout ça, c'est que ça fait partie de la culture sourde, hein, le chansigne. C'est un truc qui fait vraiment partie de la culture sourde, contrairement à l'interprétation. Enfin, c'est lié à la culture, c'est lié à la surdité, mais l'interprétation existe pour les autres langues, d'accord ? Voilà. Le chansigne, vous n'avez pas de chansigne pour des langues non signées. Voilà. Donc, de nombreuses personnes sourdes se sont mobilisées pour dénoncer une appropriation culturelle de la langue des signes. Alors, ils mettent LSF, LSF pour langue des signes française. Langue des signes, LS. Hein. Elles ont aussi déploré des problèmes d'interprétation de la LSF. Parce qu'il y a quand même une question de syntaxe et de grammaire à respecter. Hein. Le chansigne, c'est pas juste je fais des signes dans le vent et ça marche, d'accord ? Pour la troisième fois cette année, des personnes non sourdes se sont appropriées à la langue des signes lors de grandes manifestations publiques, le lancement des JO de Paris 2024, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, alors celui-là je ne l'avais pas vu passer d'ailleurs, et voilà, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Qu'on salue, hein. Pas de souci avec Joséphine Baker. Problème avec le chansigne. Aucun problème avec Joséphine. Hein ? Déploré donc début décembre, Audrey Sangla, chargée de communication chez Roger Voice, dans un post sur le réseau LinkedIn. C'est très curieux de voir le processus. Je crois que j'avais vu des vidéos là-dessus, mais en là, deux têtes, je pourrais pas vous trouver ça. Mais si vous voulez, après, on regardera, on fera une comparaison de chansigne, justement, ça parle de la Marseillaise. On regardera la Marseillaise des JO, et on regardera la Marseillaise en chansigne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Roger Voice, je le dis parce que voilà, c'est une application ou un site web, il y a des forfaits payants, il y a des versions gratuites de 4 heures par mois. C'est un service d'interprétation en langue des signes et LPC, donc langage parlé complété. Donc c'est quand on bouge la main en fait en gros autour du visage pour indiquer quel phonème on produit avec la bouche, quel son on produit, voilà. Et français, du coup, pour les personnes sourdes. Genre, je suis sourd, oh là là, attendez, il faut que j'appelle le service après-vente de la FNAC qui n'a pas d'accessibilité. J'invente, j'en sais rien. Paf, j'appelle Roger Voice. Bonjour, je voudrais appeler la FNAC. Roger Voice, d'accord, patientez. Hop, on a un interprète. L'interprète appelle la FNAC. Et il fait le relais. Voilà. Vous avez une description de Roger Voice. Je m'en suis servi une fois ou deux, mais en vrai, du coup, j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà. Appropriation culturelle. À chaque fois, la volonté des organisations. Pas mal ce service.
C'est gratuit pour tout. Alors, normalement, ça. Parenthèse, ça devrait être normalement complètement gratuit en France. Ça ne l'est pas. Les lois sont pas respectées, merdier et tout. Par contre, si vous voulez. Alors, testez-le avec une personne qui signe, dans l'idéal, une personne sourde. Parce qu'il y a quand même de l'attente et tout. Ne prenez pas la place d'une personne qui en a vraiment besoin en jouant avec. Je me doute que vous n'allez pas faire ça, mais je préfère le dire parce que moi, au début, j'étais un peu comme ça et on m'a dit non, tu le fais si tu as besoin. Mais voilà, si vous avez quelqu'un qui est sourd et qui signe et que vous voulez l'appeler, téléchargez Roger Voice, vous ajoutez la personne dans vos contacts, et puis vous pouvez l'appeler et dire à l'interprète « Bonjour, moi je parle », la personne en face est sourde. Et chaque opérateur en France offre 4 heures du coup de communication par mois via Roger Voice, sauf pour certains trucs qui sont gratuits. Voilà. Donc, appropriation culturelle. À chaque fois, la volonté des organisations était affichée. Inclusion, démarche artistique qui décloisonne, mettre en avant le handicap. C'est bon à savoir. Oui, voilà. Moi, je vous ferai pas de démo de Roger Voice en live, par exemple. Je préfère le dire, mais voilà. Oui, mais voilà. Ces trois événements proposaient des prestations de chansigne réalisées par des personnes entendantes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'interprétation. Il n'y a pas de souci à ce que des entendants interprètent des chansons. Attention, hein. On n'est pas en train de dire les entendants dégagés, mais les entendants, coda ou non, hein, d'ailleurs, interprète ou non, laissez le chansigne sourd. Vous pouvez interpréter les sourds chansignes. Il y a beaucoup de débats là-dessus, et je sais qu'en disant ça, il y a des gens à qui je ferai faire probablement des AVC. Hein. Voilà. C'était le cas pour la Marseillaise, interprétée pendant la cérémonie lançant les Jeux Olympiques de Paris le 5 septembre. Alors, c'était clôturant les Jeux Olympiques, par contre, mais bon. Lors de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, le morceau « Dans mon village » était également chansigné. Enfin, à l'occasion de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées... Oh putain, si, pardon, je m'en rappelle. Oh là, quel enfer. Oh là là, oh là, fou. Oh là, oui, j'ai la vidéo là qui passe dans ma tête. Oh la vache, oh la vache, oui. La GFIP a proposé plusieurs clips intitulés différents, et alors, L'épisode 2... En chansigne était alors réalisé par Team Sign Event. C'était le seul artiste valide des trois clips qui doivent normalement représenter les personnes handicapées, regrette la FNSF, la Fédération Nationale des Sourds de France. Comme Audrey Sangla, elle a dénoncé ses choix, notamment sur Twitter. Alors, on va se faire un petit break, hein, épisode 2, machin. Voilà. Donc cette personne que vous voyez, je ne suis pas en train d'insulter la personne ou quoi. Alors Team Sign Event, en plus, je les connais un peu de loin, on a déjà échangé, je vois un peu qui c'est. C'est pas grave, hein, de vouloir amener la langue des signes à des gens. Mais c'est vrai que là, on est sur un spot de campagne publicitaire. C'est encore plus ça, en fait. On est sur un spot de campagne publicitaire. On est sur un truc qui peut faire des vues. Hein. Ça a fait... ça a fait 300 vues. Okay. C'est fait par la GFIP, c'est un organisme qui essaye de s'occuper de l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Bon, c'est pas forcément le meilleur truc du monde, mais on n'est pas là pour débattre de tout ça, parce que sinon j'en aurais pour 4 heures de live. Et demain je commence à 8h30, et je vous avoue que j'ai envie de bien dormir, parce que le soir je vais voir Matrix. Mais en gros, voilà, on est sur un spot qui peut avoir une viralité certaine. Sur Twitter, il a fait pas mal de vues aussi, notamment à cause des RT, des quotes RT. Vous pouvez embaucher une personne sourde. Ça vous coûte rien, une personne sourde signante. Voilà. Enfin, ça vous coûte le même prix, quoi. Voilà. Et ben non. Et donc, ils ont pris quelqu'un, je vais pas vous le mettre en entier, mais voilà, qui a fait ça. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants, où devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Alors. Soyons très honnêtes, moi de base, tu me montres la vidéo, je fais pas trop gaffe. Pour moi, c'est une personne signante. Ça peut être un sourd, d'accord? Je suis pas au niveau, et je pense que je le serai peut-être jamais, où je fais la différence entre les sourds signants, les personnes signantes qui ont appris en cours de route, les codas, et voilà, d'accord? Et même les codas qui ont appris la langue des signes, évidemment, en étant tout petit, voilà, qu'on baignait dedans. Mais du coup, cette personne est entendante. Et en vrai, peut-être que cette personne, voilà. Bah alors, encore plus, je pense, tu as dit, j'aurais vu que du feu, pour des gens non formés, la subtilité, elle n'est pas du tout là. Moi, je commence à faire la différence entre des gens qui apprennent ou des gens qui signent un petit peu, qui sont maladroits, je la vois.
Je dis pas que je suis parfait là-dessus, mais globalement, ça se voit quand même. Je suis pas le plus précis du monde, et je sais que ça se voit aussi d'ailleurs, que j'ai pas un niveau parfait. Mais voilà. Coda, pardon, excuse-moi, Coyote. C'est vrai que oui, ça fait longtemps que t'es pas venu sur les streams langue des signes, pardon. Faut pas hésiter à questionner hein, si il y a un mot qui vous pose souci, ou sur lequel vous hésitez. Je le réexplique avec plaisir, parce que c'est normal. Coda, c'est un anagramme, anglais qui signifie child ou children of deaf adult. Littéralement, enfant de parents sourds, en fait, ça définit les enfants entendants ayant un ou deux parents sourds. Et on a aussi le mot soda qui existe, qui est moins employé, mais qui est du coup sibling of deaf adult, qui est donc le frère ou la sœur d'une personne sourde. Voilà. Généralement, les codas, du coup, baignent quand même un peu dans la communauté sourde, la culture sourde, et parfois dans la langue des signes. Voilà. Si t'as un parent sourd et un autre entendant et que t'es né entendant, tu es coda. Si t'as deux parents sourds et que t'es né entendant, t'es coda. Si tu es sourd et que tes parents sont sourds, t'es sourd. T'es pas coda. Voilà. En gros, c'est pour parler des entendants qui baignent entre la culture entendante et la culture sourde globalement. Voilà. Acronyme, du coup, bah, CODA, C pour children, O pour off, T pour deaf, A pour adults. Alors, je fais ça comme si t'allais comprendre, c'est l'alphabet, du coup, j'ai fait de la dactylologie, ça sert à rien. Mais voilà. C'est plutôt un acronyme, oui. Ah, j'ai dit anagramme, pardon, excusez-moi. J'avais pas vu le point d'exclamation. Excusez-moi. Oui, tout à fait, c'est un acronyme. J'étais là, genre, du coup, à la coyote a posé la question sur acronyme. Excusez-moi, du coup. Voilà. Non, non, c'est un acronyme. C'est un acronyme, voilà. Merde. Salut, Taylor, comment ça va? J'espère que t'as passé une bonne journée. Comment c'était? Comment ça, depuis le début d'année? Alors, du coup, donc elle a dénoncé ses choix. Ses intervenants, voilà. C'est ce que je disais à l'instant. Bon, après, je répète aussi des trucs que je vois passer et tout, mais voilà. Prennent la place des artistes sourds qui sont nombreux et talentueux, mais qui, eux, ont du mal à trouver du travail car leur métier est encore méconnu en France. Ce qui est une vérité. C'est pas très connu, le métier de chansigneur. Il y a une réelle... c'est un métier... On est artiste, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Autant la peinture, tu vas dire que je suis peintre, on voit ce que tu fais. Je suis musicien, bon, on imagine ce que tu fais. Globalement, il y a plein de trucs, mais voilà. Je suis chansigneur, il fait quoi, le mec? Voilà. Bof, bof, et ben j'espère en tout cas qu'on va te ramener du bonheur là-dessus. Envoyez des cœurs dans le chat, autant pour Lily Taylor, puis même pour tout le monde, allez-y. Mettez des cœurs, mettez... ceux qui sont sub, n'hésitez pas à utiliser les emotes de chat, de Chi et de Lily que vous avez. À votre disposition, mettez-en plein l'écran. Allez, on y va. C'est l'instant cœur. Voilà, super, merci de Schnorr. J'aime beaucoup la comparaison entre de Schnorr qui a balancé tout ce qu'il a pu, puis Coyote qui est là genre, oui. Wouh. Yes. Mais c'est... Non, pardon, je me moque pas du tout, hein, Coyote. C'est vraiment la différence entre ces pavés et le tout petit. Du bonheur dans ta face. Le désentre-deux. Voilà. J'espère que ça te fait plaisir, Lily Taylor, et j'espère que ça vous fait plaisir à tous et à toutes. Je vais attendre deux secondes et puis je vais continuer à lire l'article parce que du coup l'écran est flingué par le mur d'Imot. Donc oui, donc il y a une réelle inégalité. Quand nous voyons des gens pratiquer la LSF, ce sont les entendants qui sont mis en avant dans les événements, mais aussi dans les films ou dans les séries, lorsqu'il faut représenter un sourd ou chansignant à LSF déplore la FNSF. Globalement, hein, c'est un peu, mine de rien, on va pas se voiler la face, c'est quand même partiellement ce qui se passe avec moi. Je suis sur une niche, je parle de langue des signes, je parle de culture sourde sur Twitch. En France, on est littéralement, je pense, deux vraiment à faire ça. Bon, allez, on va dire trois. Il y a moi, il y a Mélanie Def, voilà. Et il y a One Geek, qui en fait c'est une chaîne de live jeux vidéo complètement en langue des signes française animée par des sourds. Parfois ça parle vaguement un petit peu de culture sourde, mais c'est surtout du jeu vidéo. Voilà. Il y a des chats, moi je suis contente. Parfait. Donc voilà. Je prends quand même un petit peu la place des sourds. Ça, sur cette partie-là, c'est difficile. Voilà. C'est pour ça que je marche sur des œufs et que sûrement un jour, comme je le disais, ce genre de stream s'arrêteront. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, ça va. Audrey Sangla a posé des mots sur la situation. Ça s'appelle du validisme, de l'appropriation culturelle, voilà, et de l'audisme. Audisme, c'est le validisme spécifique
à la surdité. Voilà. Audition, audisme, bon voilà. Le validisme, c'est de manière générale contre les andis. Et l'audisme, c'est, enfin, c'est contre en tout cas, c'est spécifique contre la communauté sourde. On rappelle d'ailleurs que les personnes sourdes, enfin la surdité, c'est le seul handicap qui possède sa propre culture. Je dis pas qu'il n'y a pas une culture andi, mais du fait de la langue et tout, voilà, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte dedans. Ça veut pas dire que c'est plus grave ou moins grave. Voilà. Donc c'est ce qu'elle écrit sur LinkedIn. Voilà. Le validisme désigne les discriminations et les préjugés qui ciblent les personnes handicapées, et l'audisme concerne plus spécifiquement ceux subis par les personnes sourdes. L'appropriation culturelle, quant à elle, renvoie au fait, pour des personnes ayant une position dominante dans la société, de s'approprier et d'utiliser la culture et l'art de minorité. Les sourds sont une minorité. Inclusion ou communication. Oui, pour mettre en avant la diversité ou la beauté de la LSF, mais avec et par les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes sourdes. On notera la majuscule à sourde. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans, je suis pas sourd. Mais ça existe. Voilà. Il y en a qui font la différence entre sourd avec une majuscule ou pas. C'est bien de voir plus de langues des signes, mais pas juste en décoration, continue Audrey Sanglat. Un constat partagé par la FNSF. Lors de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, les enfants ont fait un chant signe en LSF qui était beau à voir, mais incompréhensible. Il n'y avait pas de personnes sourdes et compétentes en LSF derrière eux pour les coacher. Nous n'acceptons pas que des gens qui veulent montrer l'inclusion maltraitent notre langue. On le regardera si vous voulez voir le chant signe pour Joséphine Baker. De nombreuses personnes sourdes ont aussi réagi en commentant les publications promouvant les événements. On regardera juste après alors de Schnorr. On va le regarder juste après ça. De nombreuses personnes sourdes ont réagi en commandant les publications promouvant les événements pour regretter l'absence d'artistes ou de personnes concernées sur le devant de la scène. Une absence encore plus incompréhensible pour la cérémonie de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Ah oui, je l'ai pas dit, mais c'est effectivement le cas. L'Institut des Jeunes Sourds de Paris, donc l'INJS, qu'on appelle aussi Saint-Jacques, se trouve à un peu plus de 10 minutes à pied. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que le Panthéon, le monument du Panthéon, est littéralement à côté de l'INJS, qui est l'Institut National des Jeunes Sourds, qui est un des 4 ou 5 instituts nationaux des jeunes sourds de France, qui est une institution privée avec internat de mémoire, voilà, où des élèves sourds et sourdes peuvent apprendre peuvent apprendre pas mal de corps de métiers différents en langue des signes française. C'était littéralement à côté. C'est-à-dire que là, on est presque sur un foutage de gueule. On prend des gamins entendants. Alors, c'est pas de la faute des gamins entendants, ils savent pas grand-chose, je peux pas trop en vouloir aux enfants. Mais du coup, on se dit, on va prendre ces gamins-là, on a aucune idée de qui leur a appris le chant, et je sais pas si j'ai envie de savoir, et on les fout à 10 minutes à pied de l'INJS. Évidemment que les gens sont vénères. Enfin, je veux dire, on est au cœur de vraiment l'institut où on a eu un début d'une création syntaxique et grammaticale de la langue des signes. C'est-à-dire, historiquement, l'INJS, c'est pas juste une école pour les sourds. Voilà. J'ai un attachement particulier à l'INJS, mais voilà. Là, on est sur un foutage de gueule qui est quand même conséquent, au final. J'espère d'ailleurs qu'il est involontaire. Je finis les paragraphes et je montre le petit truc. Les commentaires évoquaient aussi les problèmes d'interprétation lors de ces prestations. Nous n'avons rien compris à leur sens. Ces gens n'avaient pas le niveau pour communiquer avec aisance en LSF, estime la FNSF. Parce que oui, c'est pas parce que vous donnez des signes à une personne et que il ou elle apprennent par cœur les signes dans cet ordre-là que ça veut dire qu'ils seront compréhensibles. Voilà. C'est le truc con. Alors, je sais pas, ça va être peut-être un peu méchant et moqueur, exagéré, mais... Et je dis pas que je le fais parfaitement. Il y a une nuance entre le bonjour, enfin bonjour, bonjour, voilà, bonjour, et les gens qui viennent d'apprendre et qui vont te faire bonjour. Parce que bah, y a le pouce qui est ressorti, parce que ça part de là, ça part pas de là, et puis en fait c'est vachement plus large. Voilà. C'est du détail. Sauf qu'en fait, quand c'est cumulé sur plein de signes, je peux vous assurer que au bout d'un moment c'est super chiant à comprendre. Vraiment. Et pourtant, j'ai pas un très bon niveau. Hein. Je peux communiquer avec les gens, il n'y a pas de souce, mais. Voilà, je suis sur un niveau A2 à peu près, peut-être B1 avec un peu de chance. Voilà,
faut vous dire que si vous savez pas, c'est pas en apprenant par cœur que ça va marcher. Voilà. Mais comme si vous appreniez une langue par cœur comme ça, c'est très peu probable, que l'accent vous l'ayez en quelques secondes. Les signes étaient donc mauvais, il y avait des maladresses, trop de français signé, peu d'expression du visage ou exagération, des soucis de grammaire. Approuve. Approuve qui? C'est qui ça? C'est Mélanie Def, voilà, Mélanie Lemestre, professeure de LSF, qui s'est aussi faite connaître sur YouTube, où elle poste des vidéos de culture sourde. Alors, je ne suis pas en train de dox hein, Mélanie, ça fait, voilà, c'est public, hein. Son nom et prénom sont publics, d'accord? Des problèmes accentués par la retransmission filmée de la représentation donnée lors de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. En effet, de longs passages ne montraient pas la chorale. Ce qui est vrai, je l'ai vu, qui s'enseignait à l'image, coupait donc totalement la prestation pour les personnes sourdes. Heureusement qu'il y avait le sous-titrage, mais ce n'est pas normal, ce qui est vrai. Si vous avez du chansigne, vous filmez le chansigne. Je m'en bats les couilles de savoir si le président il est derrière pour Joséphine Baker. C'est pas le président qui est intéressant, c'est la chanson. Voilà. Encore une barrière de plus, alors que nous sommes censés comprendre, étant donné que la LSF et notre langue portent la FNSF. Bon. Alors attendez, je pense que je peux vous le trouver sur YouTube. Chansigne Joséphine Baker. Est-ce que français signé, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? D'ailleurs, est-ce que j'en parle, hein, ils en parlaient et tout. Je vais voir. Alors peut-être que je vais le trouver sur Twitter, enfin sur Google. Le chansigne, une chorale d'enfants. Bon, on va pas se faire les 4 minutes de parce que vous êtes bien gentil. Il y a 60 enfants d'une chorale qui vont chanter dans mon village de Joséphine Baker, c'est tout de suite. Je le veux tendrement dans mon village. Là, on voit super bien. Trop bien. Waouh. Incroyable. Trop beau. Waouh. Bon, vous avez compris le délire du... Je connais pas la chanson, mais je suppose qu'elle est de Joséphine Baker. Je vous épargne le reste. Quand tu en arrives à devoir lire les sous-titres pour comprendre ta propre langue, c'est pas mal. Eh ouais. Eh ouais. Bon, alors après, à nouveau, moi, je vais pas avoir de grief spécialement contre cet enfant-là, ou s'il y a d'autres enfants qui signent. Mais je vais pas avoir de grief contre eux. C'est les enfants, ils sont en train de grandir, ils apprennent des trucs, ils grandissent dans une société qui est pas super déconstruite et tout. Je vais pas dire que les enfants ont fait de la merde. Moi, je me sentirais très mal de dire ça. Par contre, les personnes qui leur ont appris ça, qui ont pris la peine de faire un chansigne, donc ça veut dire qu'elles connaissent quand même un minimum la langue des signes, donc t'as un minimum de connaissances de culture sourde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les gamins au fond, effectivement. J'ai pas fait gaffe, j'ai un peu oublié le chansigne. Les gens qui leur ont appris ça savent ce qu'il faut. Et faut arrêter avec l'excuse de on n'a pas de budget. Parce que je veux dire, je sais même, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il y a eu un chansigne là-dessus. Alors qu'il y a peut-être une volonté d'accessibilité, mais je veux dire, autant tu, voilà, justement, tu panthéonises la baie de l'épée, bon, tu mets du chansigne, ok, ça fait sens. Joséphine Baker, c'est une personne racisée, c'est une personne assez féministe et tout. Elle a mené plein de combats qui sont très bien. Je cherche pas à dire qu'elle a fait de la merde, mais je vois pas trop le sens de base de vouloir mettre du chansigne. C'est très bien de vouloir rendre accessible la musique, mais voilà. Et ouais, en fait, les gens ont fait de la merde. Et faut arrêter de dire, voilà, on n'a pas de thunes et tout. Et c'est bon, vous pouvez avoir une putain de cérémonie pour Joséphine Baker au Panthéon, vous pouvez bien lâcher 200 balles pour des chansigneurs, quoi. Arrêtez de... voilà. Effectivement, il n'y aura pas 50 chansigneurs, il y en aura peut-être 4 ou 5 à tout casser, mais ouais, c'est bon, quoi. Pour quelques minutes de télé, ça vous coûte que dalle. Enfin, venez pas me faire croire que c'est hors budget, tu vois. On parle pas de moi qui fais mes streams, qui effectivement, moi je peux pas me payer des interprètes, par exemple, à tous les streams. C'est pas budgétairement, c'est pas possible, actuellement. Voilà.
Là, on parle du gouvernement, quoi. Voilà, Macron explosion à un moment. Voilà. Après, effectivement, pour vous donner vraiment une idée, par exemple, l'enfant, on le voit faire village. À nouveau, ce que je vous montre, ça veut pas dire que je le fais super bien et tout, mais en gros, village, c'est les mains qui font V. Moi, je le connais comme ça, et on fait V, 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 V. Voilà, c'est village. Je pense que ça représente les petites maisons et tout. Et là, la gamine qui fait un fou. Alors, elle n'a rien fait de particulier pour la communauté sourde, du coup, pas que je sache. Mais après, du coup, justement, d'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que faudrait que toute la musique soit accessible comme ça, à minima par interprétation. Pas forcément que par chansigne, mais voilà. Parce que chansigneur, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément reconnu, c'est un peu compliqué de catégoriser les gens parce qu'il n'y a pas de diplôme là-dessus. Enfin, moi, si j'ai envie, hein, je passe des formations de LSF, je deviens super fort, j'écoute de la musique, je traduis des musiques et je deviens chansigneur. Globalement, théoriquement, je pourrais. Voilà. Voilà, c'est bien. Mais effectivement, pas que je sache. Après, peut-être que j'ai raté un truc, et dans ce cas, tant mieux, je vais découvrir des trucs sur Josephine Baker. Mais aux dernières nouvelles, Josephine Baker n'a pas fait spécialement de trucs pour la communauté sourde. C'est pas grave, hein, à nouveau. Je pense qu'elle a fait déjà beaucoup de choses. Madame. Dehors du fait qu'on la connaisse, notamment pour les tenues à moitié à poil avec des bananes, parce que c'est l'iconographie occidentale qu'on a. Donc, on va continuer, parce que du coup, il y a un relais, enfin, il y a une suite qui est intéressante, c'est des trucs dont on parle, mais voilà. La fédération, d'ailleurs, donc FNSF, constate même que de plus en plus de courants LSF sont donnés par des personnes non diplômées, ce qui est vrai. Je partage le constat là, parce que c'est des échanges que j'ai avec des gens, et effectivement, souvent, c'est des gens pas diplômés, ou alors, qui, ouais, tu peux former ta mère, voilà. Il manque un réel suivi de qualité. Oui, parce que même diplômé, les suivis qualité sont pas forcément faits par des personnes sourdes. Voilà. Il n'y a pas besoin de répondre à beaucoup d'exigences pour être formateur de LSF. En freelance. Ou formateur de babysitting. Je vise personne parce que, à nouveau, il n'y a pas d'intérêt de donner des noms. On n'est pas là pour ça. Mais on est là pour tacler un peu quand même. Ouais, un petit peu. De l'avis de tous, il reste encore beaucoup de progrès à faire pour que la LSF et la culture sourde soient plus accessibles et mieux représentées en France. Oui. Interdite. Non, pas interdite. Pas interdite. Pas interdite. La langue des signes n'a pas et n'a jamais été interdite jusqu'en 1977. Le congrès de Milan, ceci étant, a dit qu'il fallait prioriser l'apprentissage de l'oralisation pour les jeunes enfants. Sourd et muet, parce que c'est ce qu'on disait à l'époque. On ne dit plus sourd-muet, hein, bien sûr, enlevez ça de votre vocabulaire. Ça n'a pas été interdit. Légalement, il n'y a pas eu de texte de loi qui a dit que c'était interdit. On a juste dit, au lieu de la langue des signes, faites-les parler, si possible. Ça n'était pas interdit. Alors oui, il y a eu beaucoup d'oppression, oui, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment des choses, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, comme je le dis souvent, lisez Le cri de la mouette d'Emmanuel Laborie, qui est assez... enfin, en tout cas, moi que j'ai lu, donc je peux vous dire ce qu'il en est, qui parle un petit peu de ça et tout. Lisez-le, vous le verrez. C'était compliqué de signer, il n'y a pas de souci. C'était les mains attachées dans le dos, c'était des coups de règle sur les doigts quand on signait, c'était des paravents pour éviter qu'on lise sur les lèvres et tout. C'était plein de méthodes de torture dégueulasses. Mais ça n'a pas été interdit. C'était banni à la limite, si vous voulez, c'était peu recommandé. On a surpréconisé l'oralisation. Et on n'a pas interdit. Donc la langue des signes est reconnue comme une langue officielle depuis 2005 en France, ce qui est vrai. Mais n'est toujours pas inscrite dans la Constitution. Ce qui peut être important, mais ce qui a surtout une fonction symbolique. Parce que l'inscrire dans la Constitution ne devrait pas changer grand-chose à la situation actuelle, à mon sens. Au vu de la capacité qu'ont les choses de la Constitution à fonctionner dans la loi. Jusqu'en 91, il était interdit d'enseigner en LSF. Toujours pas, mais en tout cas, il était fortement conseillé de passer par l'oralisation. Depuis, des classes ont été ouvertes, mais la LSF reste rare à l'école. Et ça, c'est vrai. En France, il y a 10 600 élèves sourds d'âge scolaire. 3 573 élèves sourds ont fait le choix d'un parcours scolaire en LSF. Soit 33,7%. Parmi eux, seulement 340 en 2018 et 2019 sont dans des classes en LSF connues,
préciser l'Association nationale de parents d'enfants sourds en juillet 2019. Alors, si la situation effectivement est quand même assez catastrophique, sur les 10 600 élèves sourds, il faut vous dire qu'il y a des élèves qui sont appareillés, il y a des élèves qui sont implantés, et il y a des élèves qui peuvent se démerder très bien avec un appareil et de l'oralisation. C'est aussi, alors c'est souvent un choix des parents, mais ça peut être un choix personnel. Tous ne sont pas sourds profonds, tous n'entendent pas que chi, walou, nada. Et tous et toutes, d'ailleurs. Je dis tous souvent parce que les sous-titres ont du mal avec le côté inclusif, donc désolé. Voilà. Ça reste quand même un peu dommage que seul un tiers à peu près ait un parcours scolaire en LSF, mais c'est peut-être ce qui peut expliquer un surappareillage, éventuellement des surimplantations, mais voilà. On est... Gardez quand même certaines données en tête. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis juste que je préfère rajouter cette info parce que ça existe. L'accessibilité des services publics se développe également trop lentement. Oui, parce que légalement, tout le monde devrait avoir ses services publics accessibles en LSF. Voilà. Et d'ailleurs, à toutes les personnes handicapées de manière générale. On parle aussi des personnes PMR qui peuvent être en fauteuil avec une canne et blablabla. Le service de renseignement par téléphone sur les droits et démarches administratives Allo Service Public 3939, que je ne connais pas, est accessible depuis 2021 pour les personnes ayant une déficience auditive. Ça fait... Le Covid est plus vieux que cette accessibilité. Voilà. Voilà. L'accès à l'information est aussi compliqué pour les personnes sourdes. Les émissions et journaux télévisés sont peu sous-titrés et encore plus rarement signés. Oui, alors il y a un journal en signe qui existe. Sinon aussi, il y a effectivement Mediapi qui existe. Sauf que Mediapi, c'est un journal, c'est de l'info en langue des signes et tout. C'est très intéressant. Sauf que Mediapi, il faut s'abonner. Alors je ne dis pas que leur travail ne vaut pas de l'argent, mais du coup... C'est un peu le côté, tu veux de l'info, paye. Ça peut être pris en charge, ceci dit, en partie par la PCH, la prestation de compensation du handicap, mais bon. Il me semble, ou en tout cas, la PCH peut servir à ça, voilà, si les personnes sourdes n'en ont pas besoin pour autre chose. Je trouve quand même ça assez inégal de dire, tu dois payer parce que t'es handicapé, parce que ton handicap, tu le choisis pas. Ça fait toujours mal de voir que des services pour accessibilité. Ouais. Oh là, mais tu sais, il y a plein de trucs qui n'existent pas. Tu sais, il y a des trucs qui existent, on sait pas s'en servir. Genre je crois que c'est les boucles à induction magnétique. Tu sais, le petit logo de l'oreille barrée que tu vois, par exemple, sur des interphones. Tu peux l'avoir dans des commissariats sur certains trucs. C'est censé, quand tu appuies, se connecter normalement, enfin globalement, envoyer des ondes dans ton appareil auditif pour que tu captes ce que te dit la personne dans son petit micro, pour éviter que tu aies les bruits ambiants. Honnêtement, j'ai une très vague idée de comment ça marche. J'avais demandé sur Twitter et j'en ai discuté avec des personnes qui ont ça. Sur leurs appareils, la plupart m'ont dit soit je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas, soit elles m'ont dit je sais pas si c'est bien, parce qu'en fait elles ne savaient pas si l'option était bien réglée. Et nous-mêmes au travail, on a ça. J'avais pris en photo, oui c'est ça, tout à fait. Alors je me rappelle pas t'avoir répondu, je me rappelle de la photo, je me rappelle pas forcément de la réponse, mais ouais. Si c'est bon, si je remets. Mais en gros, voilà. En fait, nous, par exemple, on en a un au boulot. Et j'ai demandé à ma chef, par curiosité, je peux avoir la documentation. J'ai rien trouvé dans la documentation là-dessus. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, si un jour une personne appareillée vient sonner chez nous, eh ben, bon courage. Voilà. Donc, petite note d'espoir cependant pour les Jeux Olympiques 2024. Oui. Le comité d'organisation a écouté les remarques et s'est excusé publiquement, ce qui est vrai. Des rencontres ont été organisées entre le comité et plusieurs assos, dont la FNSF. On avait vu d'ailleurs la vidéo de la FNSF là-dessus. Sur sa page Twitter, la fédération se réjouit. Cette entrevue a permis aux parties prenantes de s'accorder sur les objectifs à venir, et ce, dans le respect de la langue des signes française et de la communauté des sourds, à dessein de rendre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques plus éclatants et plus inclusifs que jamais. Reste à voir de quelle manière ces rencontres se concrétiseront, ce qui est vrai. J'ai très hâte d'ailleurs, j'espère qu'en 2024, je pourrai me pointer au village olympique et faire des petits trucs cool avec ces gens-là, mais encore faut-il que je sois sur Twitch en 2024. Ce que je vous propose, parce que là j'ai parlé, j'ai un peu soif, j'ai un peu envie de refaire pipi parce que j'ai bu l'apéro. Micro-pause, on se met un petit peu de chansigne pour les gens qui veulent voir. Je vais vous remontrer celui de la Marseillaise aussi, que vous ayez une idée, pour comparer la Marseillaise qu'on a eue et... Et la vraie, entre guillemets, une des Marseillaises en LSF. Et je reviens. Go Twitch en 2024. Mais toi aussi, Le Schnorr, j'espère. Mais toi, tu mérites encore plus.
Après, je veux bien passer dans Underscore aussi, y a pas de soucis. Je vous dis à tout de suite sur mon écran de pause, fait à la main, par moi-même. Inclusive, je le trouve très... Ah bah alors, je veux bien que tu dises pourquoi dans le chat, et je reviens et je veux bien qu'on en discute après, ça peut être cool. Check 1 2 1 2, mic check 1 2 1 2, mic check 1 2 1 2, mic check 1 2 1 2. I got a new flavor coffee, I got an old flavor rap. Equip the A1 tones to make the cool kids relax. Be boys hounding for the sounds. 2015, my bank account was nowhere to be found. Look at me now, hardcore composer, full to the floor, spinning glitter in sunny shores. Worry never no more. Promoters score off me. Lab rats want the cheese. Flip your expectations with ease. Oh please, you say you're making big moves. Adjust my aim by degrees. I see you breaking the rules before you know what they be. I see you taking for rides while I am giving the keys. Because success loves to hide, but failure wants to be seen. But I won't give it the pleasure. I'm rising measure by measure. I'm making money by minutes, but keeping grip on my tether. I'm whipping the competition, collecting more hearts than Castlevania. Hit me to catch the jet set mania. If you feel it, you like the sound. Say something, say something. People bring a little closer say now. Say something, say something. Heart warm with the cold say sound. Say something, say something. Transform, then we roll say out. Say something, say something. When you see me in the street, say something, say something. If you like the fresh beats, pay something, pay something. New ideas each and every day. Say something, pay something. Say something about how I'm rapping again. Most that grab my album don't know how I be grabbing the pen. I come and stab them again. They can't get mad at the kid. Just go look at what I did. Poke at the grind and you're scared. It's just the biz. Money talks. I only listen when I spend just to live. Then I go and make it all back again. With millennial friends, celebrate the last day. Raise hell and grab praise through a love drunk haste. I feel I'm falling, but the music props me up in ways. Haters calling, but the lovers lop it up. I just sway and send shade to the time. And of the beat in perfect lines. Please correct in my spine. This is the only divine. I'll take my time. Times actually never people come up to me on the street and they say, hey, that guy raps, and I'm like, yeah I am. And they ask, hey, can you freestyle something for me real quick, you know, just real quick to prove your worth as a human being and as an artist. And I'm like, no, I can't actually, but I can dramatically arrange 7 to 10 layers of mouth sounds to make an entire instrumental. I can do that. Welcome. Talented mouth. And I can do it on my phone right now. And would you like me to do that? And they say. Heureux. Oh là là. Mais merci de Schnorr, c'est gentil. Merci beaucoup de resub du coup Coyote qui en est à 2 mois. C'est fou. Merci Coyote pour tes 2 mois. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À nouveau, hein. Dépensez uniquement si vous avez les sous. D'accord. D'ailleurs, ce qui me fait penser que j'ai enfin reçu de l'argent, enfin des bits de la part de Twitch RPG, et que j'ai très hâte que Zikiel, s'il est en lurk mais qui m'entend, passe affilié, parce que j'ai de l'argent à te donner là. Alors du coup, je vous ai vu vous battre là quand même un peu pendant la pause, blablabla. Et oui, pardon, je vous redis, juste une pub, je l'ai dit dans le chat, mais en vrai c'est vrai, quand je mets les pubs par contre, je sais c'est pas forcément cool et tout, mais par contre, j'attends toujours que ma pause soit complètement finie et ensuite je reprends. Voilà, je reprendrai, ou alors à une seconde près, mais je reprendrai jamais en plein milieu d'une pub parce que c'est pas cool non plus. C'est un peu le prix à payer, on va dire, pour certains trucs, mais je trouverais ça injuste que vous brattiez les petits bouts de stream. Alors, je vois ton truc, Lily Taylor, hein, j'ai vu, je réponds après. Je mérite pas plus que toi. Bah ouais, non, mais en vrai, on mérite tous, si, tous et toutes. Battez-vous pour celui qui mérite, il n'y a pas photo, celui qui mérite le plus, c'est Gecko ou Zikiel peut-être. Alors, ban de Schnorr.
J'ai fait le dernier RPG. Alors après, des fois, ça arrive vraiment longtemps après. Hein. Tu l'as... Moi, ça doit faire presque 2 mois, je pense. Des fois, c'est plus de 45 jours. Hein. Après, regarde, si t'as plusieurs comptes Twitch, c'est possible que ce soit arrivé sur l'autre. Mais tu l'as dans tes notifs, dans la petite boîte là, d'infos. Voilà. Moi, j'ai reçu 100 bits. C'est pas non plus dingue, mais voilà. Alors, et du coup, donc Lily Taylor qui dit, pour le terme inclusif, ça, c'est intéressant quand même à partager. Je trouve le terme pas très approprié, à moins que ce ne soit moi qui ai un problème de vocabulaire, que je ne comprends pas trop le sens de ce mot. Ah, et juste avant, tu avais dit... Voilà. Je ne sais pas trop, j'ai l'impression que ça sonne comme obligatoire, qu'on n'a pas encore le chat, que c'est soit comme ça, soit tu te tais. Alors, moi en tout cas, la définition que j'en ai... Après, c'est aussi un peu la définition de mon boulot, donc je suis un peu biaisé. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord dans mon travail, je suis dans l'éducation spécialisée. Il y a un milliard de débats qu'on pourrait avoir là-dessus, mais c'est pas forcément le moment. C'est pas que j'ai pas envie de les avoir, c'est juste que c'est pas le moment, on n'est pas là pour ça. Vérifiez, ouais, de Schnorr, du coup, là-dessus. Peut-être pour ça. Mais patiente, hein. Peut-être que dans un mois, ça arrivera. Globalement, tu as le mot souvent l'inclusion et tu as l'insertion. La façon dont, en tout cas moi ça m'a été expliqué et dont moi j'aime bien le voir, c'est qu'effectivement l'inclusion c'est plus dire quoi qu'il arrive, viens dans notre groupe. C'est pas qu'on va pas te refuser ça, mais c'est pas dit qu'on ait pensé à tout ce qu'il faut, ou en tout cas au maximum pour t'inclure. Truc con, t'es en haut de 3 marches et tu dis à une personne en fauteuil roulant qui ne peut pas sortir de son fauteuil, viens nous rejoindre. Elle ne peut pas, parce que le fauteuil, pour monter les marches, c'est pas le feu. Je m'avance pas trop en disant ça. Voilà. C'est une tentative d'inclusion. L'insertion, c'est que il y aurait les 3 marches, par contre, il y aurait une rampe, et puis éventuellement, quelqu'un qui est prêt à pousser le fauteuil, si ça déconne, et si la personne demande de l'aide, ça, ce serait de l'insertion. C'est-à-dire, viens dans notre groupe, si besoin, on est prêt à faire ce qu'il faut pour t'aider, et on est prêt à t'écouter pour adapter tout ça. La langue des signes, ça peut être un peu ça. C'est pas juste de dire à un sourd ou une sourde, viens avec nous, on t'inclut dans notre groupe, parce que si on signe pas, si on fait pas d'efforts et tout, bah c'est pas ouf. L'insertion, c'est de dire, on est prêt par contre à communiquer par écrit, à mimer, on est prêt à apprendre la langue des signes, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est un peu le... C'est un peu la nuance. Alors, je vous ai expliqué très grossièrement, mais voilà. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. Après, dans tous les cas, effectivement, il y a le côté très... J'ai perdu le nom, mais en gros, l'idée de dire, regardez, nous, on est là, on a des handicapés chez nous. En fait, on n'est pas censé être fier. On n'est pas censé mettre en avant uniquement comme ça, genre, regardez, on a des handicapés. Oui, en fait, c'est normal. C'est normal d'avoir des personnes handicapées dans vos employés, dans vos responsables, dans vos directeurs, machin. C'est normal. Enfin, il n'y a pas de fierté spécifique. On ne doit pas vous donner une médaille parce que vous l'avez fait, parce que c'est de la décence. Enfin, c'est même normal. Vous embauchez des gens, bah ok, super. Alors c'est sûr que peut-être que pour nettoyer les vitres de la tour Montparnasse, je verrai avec une personne en fauteuil si c'est quelque chose de possible. Il peut y avoir quelques situations où c'est soit difficile, soit vraiment très complexe, et donc on peut trouver d'autres solutions. Mais voilà. On peut parler d'adaptation. Mais l'adaptation, c'est encore autre chose, c'est l'un et l'autre ouais, qui s'adaptent. Les gens du duo D. Alors... Tu vas me détester, Coyote, et ça a été un peu mon cheval de bataille, mais les jeunes de mon foyer ont fait le duo D. C'est pas moi qui ai lancé ça. C'est une collègue. C'est une question, voilà. Mais j'ai beaucoup de chance de mon côté, mais les autres ont dit, c'était limite. Ouais. Le duo D, j'avoue que, effectivement, je dirais pas que je comprends, parce que c'est difficile de me mettre à votre place là-dessus. C'est quoi le duo D? Alors, parenthèse, avant de faire les chansons. Le duo D, Coyote, d'ailleurs, tu me corrigeras si tu veux. Globalement, en fait, si l'initiative de base paraît bien, en gros, c'est Sophie Cluzel. Sophie Cluzel, avec sa petite enfant mascotte trophée handicapée qu'elle montre à tout le monde. Sophie Cluzel qui a fait un livre sur la force des différents, ou je sais plus quoi. Voilà, énorme merde qui est Cluzel poubelle, Cluzel caca. Mettez des émojis de caca pour Sophie Cluzel sur ce chat. On en manque. Attendez. Ah, j'ai pas de chanson sur le caca, en fait, à mettre. J'ai pas grand-chose à mettre en termes de son. Déconjugalise. Espèce de... Avec tout le respect que je dois aux travailleuses du sexe, quand même, sale pute. on en est à un stade d'énervement, quand même, qui est costaud pour Cluzel. Et encore, je suis pas en dit. Mais du coup, le duo D.
globalement, l'idée, c'est qu'en fait, pendant une journée, des entreprises s'ouvrent à l'accueil de personnes handy pour une journée de découverte d'un métier. Présenté comme ça, ça peut avoir l'air bien de te dire « Ah, ça y est, super, l'entreprise s'ouvre. » Sauf qu'en fait, ça a un côté un peu... Alors, j'ai plus le nom, parce que t'as genre le pinkwashing pour le féminisme, le queerwashing, enfin le handywashing, peut-être. Enfin, en gros, c'est l'idée que les entreprises, du coup, elles disent « Eh, regardez, on a participé au Duo D, on a accueilli un ou deux handicapés pour une journée, trop bien !» En fait, généralement, il n'y a pas de suite, surtout en plus au Duo D, c'est-à-dire que les personnes handy viennent pour une journée, elles kiffent ou pas le taf, j'en sais rien, elles font leur truc, voilà. Les jeunes de mon foyer ont participé, moi j'étais pas forcément pour, on a eu des débats là-dessus, je suis pas non plus le seul décisionnaire dans mon foyer. C'est une notification qui a bipé le mot, c'est tout à fait... Ah, peut-être. Bah, en fait, si tu veux, c'est juste que, non seulement déjà c'est problématique, parce que c'est un peu en mode, on vous consacre ça, et regardez les petits handis, ils peuvent faire comme nous, oui, en fait... La plupart des personnes handicapées, ils peuvent faire les mêmes choses que nous, et il y a pas, enfin, il y a beaucoup de handicaps qui sont pas physiques, et il y a beaucoup de handicaps qui t'empêchent pas d'avoir un paquet de taf, et les autres t'empêchent pas forcément, juste nécessitent des adaptations. Voilà. Je veux dire, par exemple, c'est sûr que si t'as Parkinson, par exemple, bon, être dans un vaccinodrome, je sais pas si c'est pertinent. Voilà. Une notification sur mon téléphone. Ah oui, d'accord. C'est le... Ok. Effectivement, si moi, quelqu'un a les mains, en tout cas, qui tremblent comme ça, ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui refuser un taf. Je vais juste peut-être me dire, ne va pas piquer des gens, parce que c'est un coup à traiter, c'est compliqué et tout. Mais il y a d'autres trucs que tu peux faire. Tu peux faire de la manutention, tu peux écrire des documents sous Word. Il y a un milliard de trucs qu'on peut faire avec un minimum d'effort et très peu d'investissement, d'ailleurs. J'ai fait une journée en médiathèque, j'ai quasi rien fait. J'ai beaucoup regardé, posé des questions et je fais une semaine entière. Voilà. Moi qui ai du bol, combien ont été juste des faire-voilà ? Beaucoup ont été des faire-valeurs. Bah justement, vrai truc, tu vois, moi sur les en fait j'ai 3 jeunes qui ont fait le duo D. Je te parle de mon boulot, voilà. Mais c'est ça, c'est 3 jeunes qui ont fait le duo D. On en a un qui est parti à Ikea, dans un des Ikea de Paris. Donc sur le côté, alors c'est pas le Ikea ameublement et tout, c'est juste un Ikea home, donc c'est les trucs pour la maison. Un qui est parti à la galerie, au restaurant, à la cantine, restaurant, je sais pas trop ce que c'est, du printemps, qui est un gros centre commercial à ses côtés. Et un autre qui est parti au ministère de l'Éducation et de la Santé. C'était en vrac, voilà. Le ministère de l'Éducation et de la Santé, clairement, pas de follow-up, pas de retour, machin. En fait, je pense qu'ils étaient effectivement très contents d'avoir un petit handi pour la journée. Voilà. Waouh, regardez, on a un jeune handicapé. Oui, super. Si vous, derrière, vous donnez zéro suivi et tout, vous êtes clairement en train de vous foutre de notre gueule à 200%. Et le pauvre, en fait, en plus, surtout, le pire, c'est qu'on a un jeune qui revient... refait, qui nous dit il y a eu quelques problèmes mais je suis content et je vais y retourner, et un ministère qui évidemment ne nous répond pas, hein. On remercie Jean-Michel Blanquette, Ibiza, voilà, donc lui, c'est mort, voilà. Deuxième jeune, centre commercial printemps, oh bah on est plutôt content mais on n'a pas de place de stage, pourquoi vous faites le duo D, enfin je veux dire, quel est l'intérêt de le faire si derrière il n'y a même pas de suivi possible, on n'en a qu'un seul, ou peut-être. Et c'est moi qui, c'est un de mes jeunes dont j'ai vraiment la charge et la responsabilité, qui suis en train de me démerder au maximum pour qu'il puisse retourner à ce foutu Ikea de mes couilles, qu'il fasse un stage là-bas et qu'éventuellement les gars disent, bah pas de souci, on t'embauche. Tu vas renseigner les clients, enfin en fait tu vas faire le même taf que nous, avec éventuellement, t'auras quelqu'un entre guillemets en béquille qui t'aide parce que des fois tu paniques, des fois tu stresses, donc t'as besoin que quelqu'un te rassure, ok, bah, on met quelqu'un à ce poste-là aussi pour toi. Mais le mec, il est tout à fait capable de vendre des plantes, de les organiser, de trier, enfin... Oh! Faut que je t'envoie un jour une interview de Jérémy Ferraille qui parle de Téléthon. Ah non, mais alors le Téléthon, par contre, niquez-vous profondément. Les gens qui font le... voilà, qui organisent le Téléthon. Vous pouvez vous foutre le Téléthon au cul! Voilà. Dans le cul! Il s'était fait virer avec Bats de scène qui arrive de montrer qu'on peut bien vivre du handicap. Ça coyote, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. On sait très bien, on le voit sur la télé que les handicapés, c'est des gens, ils peuvent pas bien vivre. Enfin, connaissez-vous les cafés joyeux? C'est horrible, vraiment, il y a beaucoup de sarcasme dans ce que je dis. J'espère que vous le prenez pas premier degré parce que sinon je suis foutu. On peut bien vivre en étant handicapé. Moi, je pense pas.
Je veux dire, j'ai des amis handicapés, ils vivent pas bien. Ils sont heureux que quand je suis là. Je ne vois pas d'autres. Putain, c'est horrible parce que vraiment, c'est stream. Soit il y a personne, soit ça part aux couilles. Enfin, non, et voilà. Ils montraient qu'on peut bien vivre du handicap, c'était par leur direction. Après, bon, c'est sûr qu'il y a sûrement des pressions et tout, machin. C'est vraiment un truc pour se donner une bonne image. Bah, c'est ça. Après, ceci étant, le genre de foyer où je bosse, géré par des assos gestionnaires, privés ou publics, on va pas se mentir, ça pue aussi. On a beau se défendre derrière des beaux projets et tout, et à un moment, il faut aussi être réaliste deux secondes. Mais voilà. Bon, en gros, le duo D, voilà, c'est ça. C'est comme si ta boîte disait « Aujourd'hui, on va accueillir des andis, et demain, ils sont plus là. » Mais on a fait le duo D. Voilà. En fait, il n'y a pas d'obligation de suivi, il n'y a rien. En fait, le duo D, ça correspond vraiment à une énorme minorité de personnes qui voudraient éventuellement tester un taf sur une journée comme ça, et voilà, enfin... La mission locale fait déjà ça, Cap Emploi éventuellement fait déjà ça, Pôle Emploi fait déjà ça. On a déjà plein de structures qui existent pour ça, t'as pas besoin de... voilà. Ah putain, voilà là, mon dieu, attendez. Les gens du Téléthon qui utilisent le fric pour rendre malade des animaux... Ah, je savais pas, Angie Bershka on parle. Ah ben, faudrait que je re-regarde, parce qu'Angie Bershka, je regardais un petit peu. Surtout que Jérémy avait dit en rigolant, avait les chiffres au-dessus de la tête, regarde, tu vas repartir avec un beau chèque. Ok. Alors ça, le coup des... Mais je regarderai les vidéos d'Andy Bershka, je ne savais pas. Est-ce que je suis surpris? Non, mais j'aimerais l'être. Parce que ça m'étonne pas trop, en fait, qu'on fasse ça sur des animaux. Après, le handicap en lui-même, je pense qu'il faut vous dire un truc. Je pense que je ne vais pas trop non plus m'avancer là-dessus, enfin, pas prendre de risques là-dessus. Le handicap est un business. Voilà. Pour vous donner une idée, alors c'est sur un handicap, voilà. Vous avez un jeune enfant, problème de communication à l'oral, peut-être un enfant autiste, ça peut arriver. Vous vous dites, quels outils de communication puis-je trouver? Je vais aller sur Optoys, le spécialiste du jouet pour les petits handicapés. Voilà. Et là on se dit, ah, mon enfant, je veux le préparer à l'écriture. Pourquoi pas? Super bonne idée, super bonne idée. Oh, regardez, des fleurs à bulles 30,90€. Des dessins à lacets, une planche plastique, hein, d'accord, avec du fil, voilà, de la laine, 20,90€. Une planche, les petites voitures, je sais pas ce que c'est. Ah merde, j'ai cliqué, voilà. 50 balles. Voilà. Et par exemple, il y a un truc que, chez nous, on utilise des fois. On a des personnes autistes qui peuvent avoir des difficultés à se représenter le temps. C'est-à-dire que même avoir une montre, un portable, des alarmes, ça peut être compliqué parce que l'alarme, elle sonne à quoi elle correspond. Donc des fois, à propos de business, je peux te mettre... tu peux me l'envoyer parce que tu n'as pas le droit de poster les liens dans le chat. Donc tu peux me le mettre, tu peux me l'envoyer sur Discord en privé, sur Twitch en privé, si tu veux. Je pourrais regarder. Donc en gros, nous, on a un truc qui s'appelle... Alors, c'est appelé le time timer. En fait, c'est un timer, comme vous connaissez classiquement. Sauf qu'en fait, quand vous le tournez, il y a une partie qui devient rouge, ça permet d'avoir une représentation visuelle du temps. Ça peut être utile pour des personnes qui ont des problèmes justement de représentation du temps. Quand tu leur dis, bah dans 15 minutes c'est fini, tu mets un timer à côté d'eux 15 minutes, et en fait ils voient le rouge diminuer. Ça vaut ce que ça vaut, c'est utilisé dans des pédagogies pas ouf, genre le ABA, mais ça peut être un bon outil pour les gens qui ont du mal à se représenter le temps. Voilà. Donc, on fait ça. Devinez, allez, donc c'est un minuteur, clairement c'est un minuteur avec du papier rouge à l'intérieur. Devinez le prix d'un time timer. Après on fera les chansignes quand même. Donc vraiment, vous dites-vous, c'est juste un minuteur un peu plus visuel que ceux que vous avez dans le commerce classique, quoi. L'alarme en plus, c'était hyper acousique. Oui, le réveil, quand j'étais gosse, me terrifiait, tu le remontes et ça bouge sur les cloches. Oui, oui, oui. Ça devrait rien coûter. 75€, dit Coyote. Ok, 75€ pour Coyote. Bah alors, question du coup de Schnorr, je sais que c'est con, mais. C'est quoi un minuteur? C'est combien un minuteur classique pour toi? Combien tu mettrais dans un minuteur classique? En sachant que
On est d'accord, on l'a dit, un truc en plastoc avec de la laine, c'est 30 balles. Et un truc en bois là, on parle d'un truc industriel, hein, Hop Toys. On parle pas d'un truc fait main. Fait main, moi je te le paye, hein, 30 balles. Y a pas de souci. D'accord. Là, on parle de vraiment Hop Toys, c'est une boîte, c'est une entreprise qui a déposé des brevets et tout. C'est fait, ça marche. Celui de ma cuisine, il m'a coûté entre 5 et 10 euros. Oui, ce qui est le prix d'un timer effectivement classique et tout. 3 euros, dit Lily Taylor. Alors, je crois qu'on peut le trouver en tapant Time Timer. Parce que c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est une marque, hein, déposée. Ce qu'on voit là, en bas, c'est des gros, mais... Le genre de timer que nous, on utilise... que je dise pas... Attends, je vérifie la taille. Non. Grand, moyen. Globalement, on est sur ce genre de truc. Voilà. Alors, celui-là fait 120 minutes. Voilà. 3 euros chez Jiffy. Ouais, ben voilà. Et Time Timer, c'est une marque déposée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Y a pas en fait, il n'y a pas d'équivalent identique. Il y a des trucs similaires. Ça peut exister, mais... Si quelqu'un reproduit ce système-là, donc de timer visuel, il peut se prendre un procès par Hop Toys. 50 euros. Maintenant, imaginez, hein, vous êtes un parent d'enfant qui a du mal à se représenter le temps. Vous vous dites, bah du coup, le timer semble être une bonne solution. Le timer visuel, je parle d'un timer visuel toujours, voilà. Le timer visuel semblerait être une bonne solution pour que l'enfant se dise, bah ok, là j'ai une heure de temps calme, et puis dans une heure, il faudra que j'aille manger, il faudra que j'aille prendre la douche. Ça permet de faire des temps de transition, voilà. C'est utile dans plein de trucs en vrai. Voilà. Vous êtes parent de cet enfant-là, ça vous coûte 50 balles. Vous êtes cette personne-là qui a besoin de ce genre de timer, c'est 50 balles. 50 balles, c'est plus cher que le Pokémon Legends que j'ai commandé. Frais de port compris. J'essaye de glisser des annonces positives au milieu, en mode je vais jouer à Pokémon Legends, mais voilà. Le handicap est un business. T'es mal à taille du rat, c'est exactement ça. Les timers jeux d'échecs. Ah ouh, oula, oui, putain, j'en avais un quand j'étais jeune, je crois que ça m'avait coûté 20 balles. J'avais un livre quand j'étais gosse pour apprendre à lacer mes chaussures, je savais mettre les lacets, pas faire les boucles, j'avais des scratchs. Bah, ouf, c'est un ex. Bah, en vrai, moi j'ai des jeunes, ils savent pas faire leurs lacets, et alors, bah, je comprends. Mais en vrai, c'est très rigolo parce qu'on a eu ce débat il y a pas très, enfin ce débat, il y a quelques semaines avec un de mes jeunes qui lui a beaucoup de chaussures à scratch et un jour il m'a dit j'ai demandé des chaussures à lacets. J'étais à... Il a 24-25. Je dis mais tu sais faire tes lacets? Parce que si tu sais pas faire tes lacets, tu vois, c'est un peu con de comment. Enfin, je comprends que tu veuilles apprendre, mais du coup demander des chaussures à lacets expressément c'est compliqué. Et il me regarde, il me dit faudrait que j'apprenne. Et moi vraiment dans ma tête j'étais là genre j'admire le courage d'avoir commandé des chaussures à lacets. Puis je regarde, je dis, bah du coup, c'est qui va faire tes lacets? Parce que, enfin, on va le faire s'il le faut, bien sûr, tu vois. Mais t'es là, genre, je suis pas censé, enfin, je suis censé t'apprendre avant, mais pas t'apprendre pendant. Et voilà. Et c'est très rigolo parce qu'il m'a dit, mais tu m'aideras. Et j'étais là, genre, mais oui, si tu galères à faire tes lacets, bien sûr que je te les fais. Je vais pas te laisser avec tes lacets défaits. Par contre, je vais t'apprendre à les faire, loulou. Parce qu'en fait, je vais pas passer tous mes matins à m'occuper pendant 15 minutes de toi à faire tes lacets, parce qu'en fait, vous êtes plusieurs, mais voilà, c'est rigolo. Mais les scratchs, c'est très très cool, sauf quand ça sert d'excuse à tes camarades pour ça. Alors oui, par contre, ça, justement, enfin, c'est vrai que j'en rigole un peu, parce que nous, on arrive à dédramatiser beaucoup ça avec nos jeunes, pour la plupart, mais je peux avoir conscience que c'est des sujets bêtes, mais effectivement, de harcèlement. Quand tu dis, il y a des merdes qui font ça, ah non, c'est Dechner qui se répond à lui-même, d'accord, pas de souci. Mais ouais, mais en vrai, apprendre à lacer les chaussures, ça se fait de manière pratique, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, y compris elle est moche. Oh, ça c'est un classique, t'es moche. D'ailleurs, est-ce que vous voulez, je peux vous dédramatiser, alors. Non, j'ai pas été... Enfin, si, j'ai été vaguement bully, mais pas autant qu'une personne en dit ou quoi. Est-ce que vous voulez un truc un peu cringe, un peu mignon, un peu plein de choses sur les insultes? Il y a une insulte que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre. Alors, à nouveau, avec tout le respect que je dois aux travailleurs et travailleuses du sexe, c'est l'insulte « fils de pute ». Parce que... Bon, je le dis parce qu'en vrai, moi, ça me gêne pas. Sur ce, les copains, je vais vous laisser, je vais quand même manger. Eh ben écoute, en tout cas, bonne gaufre lilloise, c'est la spécialité,
Non, en tout cas, bon appétit. Moi, je mangerai juste après le stream, d'ailleurs. Et bonne soirée à toi, de Schnorr. Bon appétit, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, si jamais il le faut, à rester en lurk. Voilà. Alors, en fait, du coup, voilà, ça insulte la mère et pas la personne. Alors, justement, tu vois, c'est ça le truc, c'est que... Bon, en fait, je suis né... Faut savoir, moi, j'ai qu'une maman. Voilà. Mon papa, il est... Mon papa est parti acheter des cigarettes quand je suis né. Il n'est pas revenu, mais je suis pas pressé qu'il revienne. Et donc, en fait, dans ma tête, fils de pute, l'insulte, c'était envers la personne, parce que du coup, il ou elle n'avait qu'une maman et pas de papa. Parce que, bah, effectivement, j'avais conscience de ce qu'était un ou une travailleur et travailleuse du sexe. En tout cas, prostituée, comme on disait à l'époque, du coup, voilà, il y avait plusieurs personnes qui payaient pour le consentement de cette personne et des relations sexuelles et tout. Donc, elles avaient du sexe avec cette personne, donc t'avais quand même ta maman, mais t'avais pas de papa. J'étais aussi très hétéronormé. Hein, j'avais peut-être 12-13 ans. Et en fait, j'ai mis super longtemps, et des fois, en fait, ça partait tout seul. J'étais en mode fils de pute, parce que j'avais 13 ans, que j'étais un gamin et que j'y comprenais rien. Et du coup, les gens étaient genre, ouais, t'as traité ma mère de pute. Et j'étais genre, mais en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas ça l'insulte. L'insulte, c'est pas d'avoir traité ta mère de pute. C'est pas un problème que ce soit une pute. Le problème, c'est que t'as pas de papa et qu'apparemment, c'est ça. Voilà. Mais c'est un peu cringe et rigolo, je trouve. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai eu, je pense, pareil, 20, 21 ans, j'ai eu un peu plus d'éléments d'explication, j'ai eu plus d'accès à Internet, et j'étais là genre, ah, le problème c'est que, d'accord, du coup, la maman se fait passer dessus par plein de gens, parce qu'en fait, on s'en fout, d'ailleurs. Mais voilà. Non, mais en fait, du coup, non, mais je pense que c'est pas à voir comme ça, Coyote, en fait. C'est vraiment, voilà. Mais si tu veux, moi, j'étais vraiment là genre, bah, ok, fils de pute, bah... Moi, des fois, on me disait, et d'ailleurs, comme dit ma mère, fils de pute, c'est pas possible, ma mère, elle est pas dans tes tarifs. Ma propre mère qui m'a donné l'autorisation, donc c'est bon. Bref, ce que je vous propose, on parlait de Chansigne et tout. Parce qu'en fait, on pourrait parler du handicap et tout, mais en même temps, je suis pas vraiment concerné. J'accompagne des jeunes handicapés et je suis dans des structures que j'approuve pas forcément. C'est pas que j'ai pas envie, en fait. Il y a pas de souci si vous avez des questions, je peux parler de certains trucs, mais... C'est compliqué aussi pour moi parce que il y a des trucs qui je suis pas la personne la mieux placée pour vous parler de ça, je pense. Je suis très loin. Mon handicap, c'est que j'ai mal au dos des fois. C'est pas vraiment mon handicap. Pour revenir quand même un peu sur le sujet de ce soir, parce qu'on est quand même sur langue des signes et culture sourde et tout. Même si, franchement, je suis très content hein, qu'on ait dérivé sur le handicap. Chansigne de la Marseillaise. Alors, je vais essayer de vous retrouver le tweet, s'il existe encore. Bon, bat les couilles de Tony Estanguet. Et tu fais comment? J'ai mal au dos. Alors, moi, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait que j'ai une sciatique et une légère déformation scoliotique en bas du dos. Et en fait, c'est juste qu'à une époque, je faisais pas mal de sport, notamment avec Ring Fit. Je faisais des squats, je faisais des abdos, je musclais aussi le haut du corps, parce que pourquoi pas. Le fait d'avoir un peu plus de muscles pour tenir tout ça, ça aide pas mal. Il peut y avoir des séances de kiné. Là, je vais devoir en faire normalement d'ici pas longtemps, parce que j'ai des douleurs intercostales longues... Pardon. Je dis pardon, mais j'ai tapé le smartphone. Bref, longue histoire et tout. Globalement, étirement du dos, voilà. Tu te mets debout, tu prends ton genou, paf, tu le ramènes vers là. Tu poses, tu fais pareil avec l'autre. T'as les étirements où tu prends le bras, hop, tu chopes le coude. Voilà, comme ça, comme ça. Mais sinon, en gros, tout ce qui fait travailler les fessiers et le dos, ça aide un peu. Ça, alors, si tu peux les faire, mais voilà. Je recommande... une appli, je vais te mettre le nom, parce que c'est aussi une chaîne YouTube que j'utilise de temps en temps quand je me chauffe à sortir le tapis de sport. Voilà. Blogilates, voilà, qui file des petits exercices assez sympas.
En vrai, si ton dos... Alors, Bloggy Lattice, c'est en anglais. Par contre, il y a les sous-titres. Alors, c'est sous-titres anglais aussi. Mais si tu télécharges l'appli, il y a les workouts. Et genre, tu peux à peu près rapidement, tu vois très rapidement si ça fait travailler les bras, le dos, machin et tout. Tu peux... T'as beaucoup de trucs, contenu gratuit. Tu as des vidéos qui vont te donner du coup... Du moment que tu fais travailler ton dos, ton bas du dos et éventuellement tes cuisses, tes fessiers, à peu près ça suffit. Sinon, tu vas sur la chaîne YouTube de Gym Direct. Voilà. Même en non français, c'est ça va. Ceci étant, j'aimerais bien trouver le tweet. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est Letty. Letty, on s'en branle. Pardon pour toi, Letty, mais vraiment, les intendants qui font du. C'est pas Twitch. Je sais pas s'il y a des exos. Alors, non, c'est pas des exos en fonction des problèmes. Par contre, si tu. Voilà. Après, si t'as plein de questions et tout. Moi, je suis pas docteur. Enfin, si ton docteur, il t'a dit quoi muscler, cherche ça. Vraiment. Voilà. Moi, pour mes problèmes de dos, comme j'ai dit, j'ai légère déformation scoliotique et un problème de sciatique. C'est une sciatique assez tranquille parce que j'ai appris à vivre avec. Voilà. Moi, je fais de temps en temps, quand j'ai vraiment mal, squat, étirement et exercice de dos. J'en donnerai pas plus parce qu'en fait, c'est pas aussi ma spécialité, vraiment. Bon, vous voyez toutes mes recherches, du coup. Attendez, je veux vraiment le vrai tweet original. Putain, Betty. La pauvre personne, ceci étant. Enfin, elle a fait la boulette, hein, mais... Il n'y a pas ? Et la tête de moi ? La Marseillaise en chansigne, ça donne ça. Non, ça c'est fermé. Ce tweet n'existe plus. Mais c'est pas possible. Ah putain, ils l'ont supprimé ou quoi? Merde! Ah bah non, mais j'avais une bonne comparaison pour une fois. Le docteur, il dit que dalle, il esquive quand je lui sens de douleur pour la fibro. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je recommande un compte Instagram, si l'on est, par rapport à tout ce qui est douleur chronique, etc. Et tout. Alors, évidemment, c'est le compte d'une personne que je connais, donc il y a un peu de... Voilà, de potes, mais cherche une vie avec Andy si tu ne connais pas. C'est une amie à moi qui a atteint, enfin une amie, plutôt une connaissance, soyons honnêtes quand même, mais de voilà, qui est atteinte de douleurs chroniques et tout, qui parle un petit peu de tout ça sur son compte Insta, qui a un blog aussi. N'hésite pas à aller voir, tu auras peut-être des infos ou des pistes, en tout cas, pour savoir qui aller voir et tout. Parce que, voilà. À ma connaissance, mais je connais pas beaucoup de personnes qui ont la fibromyalgie, le mieux... Effectivement, les médicaments aident à réduire la douleur, on va pas se mentir, mais je crois qu'il existe des exercices et tout. Mais je t'en recommanderai pas parce que, un, si on me les a dit, je m'en rappelle pas, et de deux, je suis pas médecin. Moi, je suis dans le social. Voilà. Donc, c'est pas que je t'aime pas, hein. C'est vraiment que je veux pas te donner des conseils de merde, en fait. Purée, mais c'est où? Est-ce que si je vais sur vidéo, j'ai la vidéo? Présentation de Betty, blablabla. Qui sont les artistes? Putain, mais c'est pas possible.
Elle m'avait recommandé le centre de douleur, mais il faut une ordonnance. Ah, bah si le médecin esquive, oui, par contre, tu changes de médecin. Là-dessus, par contre, oui. Je suis désolé, je regarde encore. Si je trouve pas, je vous montrerai quand même juste des chansignes. Bon. Vous savez quoi, je trouve pas. Est-ce que vous aimez le rap français? Bon. Je vous demanderai de pas juger. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que ce que je vais vous montrer, ça vient peut-être de personnes qui vont chansigner du Big Flo et Oli, du Orelsan, des personnes qui ont peut-être été cancel. Je ne conteste pas le fait que ces personnes aient été cancel. Par contre, quoi qu'il arrive, c'est pas à nous de décider ce qui doit être accessible ou non aux personnes sourdes. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que, effectivement, Big Flo, c'est un putain de pointeur. Oli, je sais pas. Et voilà. Ceci étant, si les personnes sourdes, elles n'ont pas accès à leur musique, c'est pas à nous de décider si elles doivent y avoir accès ou pas. Donc, la personne que je vais vous montrer a fait notamment du Big Flo et Oli. Voilà. La tribu de Dana. Non, j'ai pas la tribu de Dana en chansigne, d'accord ? Ça dépend, le rap qui insulte pas trop. Non, mais bah, je vais aller le chercher. Alors, je vais juste par contre me permettre... Je suis désolé, je vais juste chercher un câble parce qu'en fait, mon portable, qui me permet aussi de vous voir, de voir le chat, n'a plus trop de batterie. Donc, je vais le laisser en charge. Yeah. Mais je suis là, hein. Vous verriez mon appart, c'est un champ de bataille parce que je n'ai pas replié mon magnifique nouveau lit que j'ai acheté certainement pas grâce à Twitch, mais certainement grâce à mon augmentation de salaire. Eh ben écoute, bonne nuit en tout cas, Dame Guermis. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Vidéo. Voilà. À droite, what the fuck, le Père Noël est enrhumé en LSF. Je ne comprends pas. Quoi ? Ah oui, non, c'est parce que je suis sur sourd.net. Sale histoire. Voilà. Je pense qu'on va peut-être juste faire voir les vidéos de chansigne et tout, et je vais peut-être pas partir sur la... Je verrai ce que je ferai pour la prochaine news, mais... Voilà. Mais en vrai, en fait, tu veux que je t'aide à chercher... Non, non, c'est bon. Je regarderai hein, promis le lien que tu m'as envoyé, hein, Lily Taylor, après le stream, du coup, je pense. Voilà. À nouveau, même si le rap insulte des mamans et qu'on n'est pas d'accord avec ça, et on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ça, il faut qu'il soit accessible quand même. Pour que les personnes qui y ont accès se fassent un avis. C'est con à dire, ça paraît horrible, hein, mais voilà. Comme quand on parle des meetings politiques. Peut-être qu'on n'aime pas le FN, et en fait, moi, j'aime pas le FN, et je pense qu'il ne devrait pas avoir le droit d'exister. Ceci étant, comment on peut savoir que c'est des gens pas bien si le contenu politique qu'ils partagent n'est pas accessible ? Voilà. Parce que Yeko a des... Oh, ça va, c'est arrivé une fois. Alors, je vous propose Jour meilleur. Fait par Vince Slam. Alors Vince Slam, je l'ai déjà... Attendez. Je l'ai déjà partagé d'ailleurs sur la chaîne. Je vais vous mettre la vidéo. Alors, franchement, m'en voulez pas, je vais faire ça un peu à l'arrache. Je vais vous rogner la vidéo pour qu'elle soit plus grande. Voilà. Vince Slam, Vince Vincent, du coup, est sourd. Hein, d'accord. C'était pas conçu pour insulter leur maman. Alors ça, vous leur demanderez. Voilà. Jour meilleur en langue des signes. C'est pour vous. C'est maintenant. Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais.
Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami. Laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de chant signe fait par une personne sourde. Voilà. Que j'ai pu voir d'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir à la journée mondiale des sourds de Paris au Grand Contrôle l'année dernière, en septembre. Septembre, octobre, j'ai oublié la période. Voilà. Je vais regarder les personnes qui signent le rythme de la musique. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est peu... ça, je crois pas que je l'ai déjà vu. Je sais pas si c'est intéressant. C'est possible que les personnes bougent au rythme de la musique. Alors, par contre, c'est la première fois que ma chatte est en train de faire ça, là. Juste sur une épaule, mais ok, pas de souce. Pas de souce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'installe? D'accord, elle est installée. Super. Eh bien écoutez, j'ai un chat qui s'installe sur mon épaule en plein live. N'hésitez pas à clipper, franchement, clipper. Parce que là, on est. Si personne s'est clippé, putain, j'ai le seum. J'ai une. Vous pouvez pas clipper? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Clipper, parce que c'est très rare, ça n'arrive jamais. On est sur un instant là, parfait. Voilà. J'ai vu, j'ai tellement froid aux mains que je n'arrive plus à écrire. Mais tu n'as pas de chauffage? C'est très mal isolé chez toi? Parce que même chez moi, c'est mal isolé, mais ça va. Enfin bon, là j'ai un suite, mais après, j'essaye au maximum de mettre le chauffage vraiment que quand je suis en slip chez moi, quoi. Donc là, vous avez vu un exemple de chant signe. Je suis désolé, malheureusement, je n'ai pas retrouvé le entre guillemets, le mauvais chant signe de Paris 2024. Je ne vais pas chercher plus que ça, parce que, voilà. Parce que voilà. Est-ce que vous voulez en voir un autre de chant signe de cette personne ou pas? D'ailleurs, après avoir clippé le fait que ma Lily se... Eh, si vous le faites pas, je vais le faire. Hein. Bah oui, Lily. Putain, je l'entends ronronner, c'est... Oh, mon Dieu. Vous êtes là? Deux clips. Vous êtes là? Super, merci. J'espère que c'est les clips faits pour ça. Hello. Répondez dans le chat si vous êtes vivant ou vivante.
Elle est en train de s'endormir sur mon dos. Allô? Les gens? Oh, merci, Lily Taylor. Je vais pas beaucoup plus bouger parce qu'elle a, elle a l'air si bien. J'ai le casque, hein. Et je l'entends ronronner. Je sens ses patounes, là. Je suis un peu fier parce que je lui ai appris quelques fois à faire ça. Et là, elle est en train de le refaire. Et je me dis que c'est grâce à moi. Alors que peut-être pas. Ceci étant, là, je vois, ça fait 2 heures qu'on stream et tout. Donc, je vais pas tarder non plus à soit raid quelqu'un ou quoi. Parce que demain, je me lève tôt. Et comme j'ai dit, j'ai une grosse journée de travail. Et je vais au ciné après pour voir le dernier Matrix. Parce que je veux savoir ce qui se passe à Neo après la fin de Matrix 3. Est-ce que ça vous tente un petit dernier chansigne? Coyote, j'ai aucune idée de ce que t'as mis. Soit c'est un gros mot, soit c'est un lien. D'accord? Ah, ça bugre. Ça bugre. C'est bugure. Ça ne bugure pas. Oui, alors vas-y. Eh ben, alors là, elle a ses deux pattes et son fion à l'arrière de ma tête. Oui, super. Si c'est un lien que tu as voulu poster, c'est possible qu'il ait été bloqué. J'ai bloqué les liens. Aucune idée de ce que tu mets. Attends, est-ce que si je vais sur le dashboard... Ah putain, est-ce que je le vois? Non. Le clip du chat sur l'épaule. Ah ben oui, évidemment. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est con parce que si vous voulez envoyer les liens... Attends, c'est quoi? Je vais faire un truc très rapidement. Et pousse-toi! Putain. Je vais faire un truc rapidement. C'est que, déjà, Coyote, parce que ça fait quand même quelques fois que t'es dessus et tout, donc à un moment, je pense que je peux te donner le... Ben oui, ben vas-y, Lily, pas de soucis. Je peux sans souce... te donner le rôle, voilà, gestionnaire de rôle, le rôle de VIP, et je pense que les VIP, je peux les autoriser à... Coyote, ah, attends, comment, attends, je vais vérifier, je vais pas faire de conneries. Coyote TTE. Mais j'ai un avatar là, ouais. VIP. Alors normalement, si je me suis pas trompé, tu as le rôle de VIP. Et pour le postage de lien, j'ai passé où? Je verrai entre les prochains streams. Ah, tu peux. Voilà. Lily, elle peut. Donc normalement, Coyote, maintenant tu es VIP sur la chaîne. Merci beaucoup, Lily Taylor. Et merci, du coup, Coyote. Merci beaucoup. 3 clips, putain. Bon, en vrai, ouais, est-ce que ça vous intéresse de voir un petit... On se fait un petit dernier chansigne, si vous voulez. Vous en faites pas, hein, s'il y a des clips en trop et tout, après, je fais du tri dedans. Est-ce que ça vous intéresse un petit dernier chansigne? Avant de... On finit tranquille. Et puis après, je pense qu'on va raid. Parce qu'en fait, le prochain article est intéressant. Mais il va demander quand même un peu de temps à expliquer et tout. Et il faut que je me couche un peu tôt. Donc moi, ce que je vous propose, c'est soit en gros... Attendez. Vous savez quoi? Mais j'ai un outil. J'ai un outil pour ça. Nouveau sondage. Voilà. Quoi qu'on fait... un dernier chansigne. On raid direct. Par contre, durée 3 minutes, non, 1 minute. Merci, Lou. Voilà, je vous mets un petit vote, vous mettez ce que vous voulez. Et du coup, le résultat du vote, soit en gros, on se fait un petit dernier chansigne, soit on part en raid, parce que, comme je disais, le prochain truc, en vrai, est intéressant, mais prend tellement de temps que ça va finir tard.
j'ai besoin de dormir. Donc votez vite, il reste que quelques secondes là, 20 secondes, allez, foncez. Mais ouais, j'ai besoin de dormir et je sais que si je passe une heure là-dessus et tout, je vais encore rester une heure sur mon ordi en perso derrière et tout, et je vais être éclaté demain, et j'ai pas envie d'être éclaté devant Matrix. J'ai dit que j'allais voir Matrix demain ou pas? Est-ce que je l'ai assez répété? Je suis pas sûr. Vous connaissez Keanu Reeves? Allez, un dernier chansigne. C'est parti. Alors, je vais regarder tout de suite sur la chaîne de Vince. Alors, je vais être très honnête. Vince, j'espère qu'un jour, on pourra la voir sur la chaîne, d'ailleurs. On a du Eminem. Alors là, c'est quand je l'avais vu à la Journée Mondiale des Sourds, mais voilà. Il y a beaucoup de Big Flo et Oli. Old Town Road de Lil Nas X. Tout va bien. On va pas revenir sur Orelsan. Alors, si vous voulez, il y a du Old Town Road, mais la plupart des chansons en anglais qu'il fait, les Gag Coins, quand on utilise Twitch en mode sombre, on les voit pas trop. Ah, ok. Eh ben, merci en tout cas. Je mettrai peut-être une bordure. Old Town Road, c'est de l'international. Donc je pense qu'on va rester sur du français dans l'idéal. C'est pas que je vous aime pas, hein, c'est que le Old Town Road, y a pas le clip. Non. Il est sur fond vert, donc y a jamais les clips. Y a juste une image en fond. Écoutez, je propose, mine de rien, une chanson que j'ai bien aimée pendant un temps. Non, y a pas de souci, Coyote. T'as un gros décalage, c'est normal. Tout le monde a le décalage. On va se faire rendez-vous là-haut. Avant, du coup, je vais vous remettre là en mode zwing, swing. Voilà, peut-être pas autant, mais voilà. Honnêtement, je l'aime bien quand même. Voilà, et puis après, on ira raid. Ça vient de quel Insta? Ça vient de l'Insta. Oh bah, c'est quoi? Paf. Voilà le lien. Bah, t'as le lien vers la vidéo que j'ai mis, mais c'est Vince Slam, du coup. Que j'ai déjà partagé dans une newsletter. Et comme j'ai dit, Vince, j'espère pouvoir l'inviter un jour. Si je peux pas, tant pis. Mais si un jour je peux inviter Vince sur la chaîne à parler de ce qu'il fait, je serai refait, parce que je trouve qu'il fait un travail très très cool. Simer Albert, de rien. Justin, allez. C'est le dernier. 3, 2, 1. Zetipa. J'enlève le casque. Il s'en veut, venu me voir, pour me dire, elle s'est endormie. Les yeux dans le vague, au début je n'ai pas compris. La tête dans le brouillard et le cœur qui ralentit. Et depuis tous les soirs, il manque une étoile dans ma nuit. J'ai des cicatrices encore, mais je suis pas triste, je le promets. Si c'est ça la vie, alors le soir je t'appelle par la fenêtre. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Comme un con, je te parle quand je tombe sur une de tes photos. Je n'ai pas réussi à supprimer ton numéro. Au milieu des nuages, j'imagine ton regard. Cette fois ne m'en veux pas si j'arrive en retard. J'ai des cicatrices encore, mais je suis pas triste, je le promets. Si c'est ça la vie, alors le soir je t'appelle par la fenêtre. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là-haut, rendez-vous là-haut. Rendez-vous là.
m'attendras. Quand j'arriverai là-haut, tu me tendras les bras pour danser un tango. Est-ce que tu m'attendras? Quand j'arriverai là-haut, tu me tendras les bras pour danser un tango. Rendez-vous là-haut, 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 rendez-vous là-haut. Mes amis me répètent que la vie doit continuer. Ma montre me rappelle qu'un jour je te rejoindrai. En attendant, je fais la fête et je me mets à chanter. Rendez-vous là-haut, comme si tu l'entendais. Et voilà, c'était Rendez-vous là-haut, du coup, chant signé par Vince Slam. Vince Slam d'ailleurs qui a gagné, il me semble que c'est le coup de cœur du jury à la Nuit des Lumières de Mediapi qui a eu lieu samedi dernier. Je pense que Mediapi, pareil, il faudrait que j'ai des gens de Mediapi sur la chaîne un jour et tout. Parenthèse très rapide, parce que vous êtes quelques-uns et quelques-unes là-dessus. Je le dis, pour cette année, enfin, c'est des trucs que je vais redire sûrement parce qu'il y a des gens un peu différents des fois sur les streams, donc je préfère le répéter. Et je préfère être honnête avec vous. Cette année, je vais essayer d'avoir un peu plus de personnes concernées par la culture sourde sur la chaîne. Je vais essayer aussi d'avoir d'autres personnes concernées par le handicap ou tout simplement, dans l'idéal, des meufs. Des meufs qui ne twitchent pas. Mais des meufs qui, pour moi, méritent plus de visibilité. Alors, j'essaye pas de faire un peu de wokisme, comme dirait Jean-Michel Blanquer. Juste, c'est des personnes dont j'apprécie beaucoup le travail et que j'ai envie d'en rencontrer et tout, parce que clairement, l'influence que j'ai est nulle. Voilà. Et je veux pas utiliser ces personnes pour devenir plus connu, parce que je m'en fous. J'aime beaucoup mon travail. Non, c'est bon. Mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que pour la plupart des personnes sourdes que je veux faire venir, il va me falloir une interprète. Donc c'est déjà prévu, il y a déjà une date prévue avec une interprète et un invité qui seront dévoilés dans la semaine prochaine. Le problème étant, c'est qu'une interprète, même quand elle te fait un prix, ça coûte un peu des sous. Et j'ai pas un porte-monnaie illimité, donc je peux pas non plus tous les mois me permettre de dépenser une certaine somme pour une interprète. Je peux le faire que de temps en temps. Donc, si jamais, alors vous le verrez du coup prochainement, vous aurez l'info, même sur Discord, vous aurez l'info un peu en avance sur Discord, si jamais ce que je fais vous plaît, si jamais vous aimez bien ce que je fais et tout, et que seulement si vous avez les moyens. Et quand je parle de moyens, je parle d'à partir de 1 euro, d'accord? Et que vous pouvez vous permettre de claquer 1 euro comme ça pour quelqu'un, faut pas hésiter. Parce que j'ai un uTip, j'ai... bon, il y a les subs et tout, mais voilà. J'ai un uTip sur lequel vous pouvez donner occasionnellement ou mensuellement, et je récupère les dons à la fin. Si vous voulez filer un coup de main pour que ça diminue un peu les frais à terme pour moi, c'est cool. Si vous ne voulez pas, mon contenu reste gratuit. Et mon contenu restera gratuit. Et toutes les vidéos, tant que possible en tout cas, liées à la langue des signes, en tout cas toutes les vidéos avec des invités, seront mises en ligne sur la chaîne YouTube de VOD, de manière à ce qu'elles soient accessibles gratuitement a posteriori. Voilà. Je suis pas en train de vous demander de vous abonner ou de donner et tout. Si vous voulez pas ou que vous pouvez pas, je m'en fiche. Voilà.
je préfère quand même donner l'info parce que bah, c'est quand même un investissement, évidemment. Si pas mal de gens donnent, bah, forcément, à terme, je pourrais faire venir plus de personnes parce que j'aurai plus de moyens pour l'interprète. Si moins de gens donnent, c'est pas grave. Ça permettra de compenser un petit peu l'argent que j'investis dedans. Je m'en fous complètement hein, que ça me ramène des followers, des viewers et tout, voilà. Ça m'intéresse juste de partager des trucs que j'aime bien. Après cette annonce un petit peu corporate, écoutez, c'était cool. Au final, on a pas mal discuté et c'était bien. On a parlé un peu de la thématique du handicap. On a parlé du duo D. Putain, si mes employeurs ils tombent sur ce stream, je suis viré. Mais non, mais voilà, on a parlé du duo D et tout. C'était plutôt cool. Je pense qu'il faudra que je fasse. De toute façon, c'est prévu déjà, mais enfin, c'est prévu. C'est en projet plutôt, puisque c'est prévu. Que des gens, effectivement, puissent venir parler un peu de handicap, de ce que c'est que le handicap, de la MDPH, de la LD, de la PCH, de la AH, de la EH, etc. De tous ces acronymes et ces anagrammes qui n'ont aucun sens pour des gens qui connaissent pas trop. Je pense que c'est un truc qu'on verra peut-être dans l'année. Je peux pas donner de date parce que c'est compliqué entre mon planning et le planning des gens. Mais voilà. Ceci étant, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un j'ai peut-être une personne à raid. Je veux juste vérifier sur Twitch en fait. Qui c'est qui est en stream pour voir. Parce que je sais que 2 heures c'est pas long, mais pour ça c'est long. Il y a Chabrette, mais il me raid jamais. Bon, en même temps, Chabrette il finit plus tard que moi. Tout le monde est en stream ce soir, c'est pas possible. Ok. Eh bien écoutez, on va faire un petit stream tranquille. Un petit raid tranquille. Vous savez qui... Pourquoi je mets mon casque? Il n'y a pas de son. Je ne vais pas écouter de musique avant de partir. Qui qu'on va raid? On va raid. Vous la connaissez peut-être. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à suivre sa chaîne. On va raid, mais... si c'est possible avec la carte Kiwi. Du coup, je rigole à tes blagues avec 10 secondes de retard pour toi, donc c'est très marrant, parce que tu dois poster le truc, te dire, ah, c'est marrant, puis t'as genre les 10 secondes qui retombent, et là, t'as Gecko qui est genre, c'est drôle. Tout est possible avec la carte Kiwi. Utilisez votre carte Kiwi pour sub. Voilà. L'enfant de moins de 6 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Moitié prix? C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 6 ans, ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes, payent tous moitié prix. Je vais vous mettre ça avant de partir en raid. Vous savez quoi? Je vais le préparer. Je vais le préparer. On va donc raid Mélanie Def. Mélanie Def qui est en train de jouer de manière très tranquille à... Oula, calmez-vous. Ta gueule qui est en train de jouer à Red Dead Redemption, voilà, c'est plutôt chill. Mélanie Def de manière générale qui aussi du coup fait des streams en lien avec la langue des signes, la culture sourde et tout, puisque c'est une personne sourde qui parle de tout ça, c'est plutôt cool. Là Mélanie joue à Red Dead Redemption 2, c'est rigolo. Voilà, c'est, alors du coup, c'est une interaction que vous n'aurez pas l'habitude d'avoir parce que Mélanie a choisi de ne pas brancher son micro et donc Mélanie réagit via le chat. Voilà. Et en vrai, je trouve ça cool. Voilà. Cassons les normes, faisons un petit effort. Allons raid Mélanie, ça va lui faire plaisir. Moi, je vous dis en tout cas une excellente soirée. Ça me fait plaisir de ouf que vous ayez été aussi nombreux et nombreuses. J'envoie la newsletter dans la semaine au plus tard dimanche. Je vous dis, troisième clip. Faut pas hésiter à les poster d'ailleurs hein, sur le Discord. Et vous avez le droit de partager les clips. Si vous le faites pas, je le fais pour vous. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et
à samedi. Samedi, stream avec Zikiel. Stream en coop. Ça va être la fête du slip. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi et on voyage à moitié prix.